Ça sera le dernier cours de la série. N'ayant pas eu le temps de préparer des notes, j'ai repris des transparents en version portrait à l'ancienne. Donc nous parlerons aujourd'hui de pulsars binaires. Pourquoi ? Je vais expliquer ce que vous n'arrivez pas à voir. De toute façon, pour chaque transparent, il n'y aura pas beaucoup d'informations essentielles, et je vais la dire. Donc, les pulsars binaires ont été découverts par Russell Hulse et Joe Taylor en 1974, l'été 1974. Oui, vous avez intérêt à vous approcher pour mieux voir. Pourquoi sont-ils importants pour confronter la théorie de la relativité générale avec l'expérience? Parce que, pour la première fois, c'est des systèmes où on a pu, ici c'est une représentation symbolique de deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar binaire? Un pulsar binaire, c'est un pulsar, donc une étoile à neutrons qui tourne, mais qui est en mouvement dans un système binaire autour d'une autre étoile morte, soit une étoile à neutrons, soit une naine blanche. Et ce sont des systèmes où vous avez des champs gravitationnels forts localement, donc ça permettra de tester la théorie de la relativité générale de façon plus profonde que dans le système solaire. Et en plus, comme on va le voir, ce sont des systèmes où le fait que l'interaction gravitationnelle se propage vraiment à la vitesse de la lumière et de façon retardée du passé vers le futur joue un rôle très important. Et on va discuter rapidement des travaux qui en grande partie ont été faits en collaboration avec Nathalie Deruel ici sur le mouvement de deux étoiles à neutrons, sur la formule de chronométrage de deux étoiles à neutrons, d'un pulsar binaire, et sur les résultats expérimentaux, la confrontation à l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire champ gravitationnel fort? Ça veut dire que, contrairement au système solaire, où quand vous regardez, par exemple, la composante G00 ou n'importe quelle autre composante de la métrique, qui diffère de 1 seulement de 10-6 au voisinage du Soleil et de 10-8 au voisinage de la Terre, là, vous avez des déviations quand vous êtes à la surface d'une étoile à neutrons, qui est un objet qui a une masse de l'ordre de 1,4 fois la masse du Soleil dans un rayon de l'ordre de 10 km. Et si vous calculez ça, 2gma sur le rayon de l'étoile à neutrons, vous trouvez 0,4. Donc vous voyez que cette fois, vous avez une déviation par rapport à l'unité de 0,4, ce qui est absolument énorme comparé à 10-6 ou 10-8. C'est ça qu'on appelle champ gravitationnel fort. Et du coup, on ne peut pas, absolument pas, utiliser la méthode pour calculer le mouvement de deux étoiles à neutrons. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode avec une seule carte pour représenter les deux objets, parce que dans ce cas-là, vous auriez des corrections qui seraient en 0,4 à la puissance n, et vous auriez beaucoup de mal à les contrôler. Il faut une autre méthode pour pouvoir les contrôler. Et justement, la méthode multicarte, c'est-à-dire où on va utiliser, on va décrire, ici c'est représenté dans l'espace et pas dans l'espace-temps, on va décrire la géométrie engendrée par deux étoiles à neutrons en ayant une carte globale pour représenter loin des deux étoiles à neutrons quelle est la modification de la géométrie de l'espace-temps, mais près de chaque étoile à neutrons, on va utiliser des cartes locales qui sont en un certain sens attachées à ces étoiles à neutrons, et ce sont ces cartes locales qui permettront de dire dans la théorie que l'on a des objets fortement autogravitants et de prendre ça en compte. Et après, il faudra une méthode de raccordement de ces deux développements, et c'est ce que je vais indiquer rapidement. Alors, oui, contrairement à ce que dans le cours précédent, j'ai parlé de la méthode multicarte dans le système solaire. Dans le système solaire, c'est un luxe. C'est mieux pour certaines choses, ça évite de faire des erreurs, mais à la rigueur, on pourrait utiliser une seule carte à condition de faire très attention, de tenir compte de tous les effets de déformation quand l'objet que vous voulez décrire comme la Terre dans un système barycentrique se déplace par rapport à vous et est plongé dans un champ gravitationnel. Ici, la méthode multicarte est plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Alors, en quoi consiste-t-elle?
Et en un certain sens, cette méthode, elle remonte à un travail historiquement important d'Einstein et Feldhoffmann de 1938, où Einstein se posait la question, comment est-ce que je peux décrire le mouvement d'objets en ne sachant pas quelle est la structure de ces objets et en ne sachant pas s'ils sont faits de matière, sans utiliser la représentation d'un objet comme fait de matière. Et ça, c'est important quand on parle du mouvement de deux étoiles, d'étoiles à neutrons, il y a de la matière encore, mais si vous avez un trou noir, deux trous noirs, il n'y a plus de matière, et donc il faut une méthode qui n'utilise pas la représentation matérielle de l'objet dont on veut étudier le mouvement. Alors, essentiellement, ici vous avez quelques références de gens qui ont démarré cette méthode, surtout Manas en 1963, ça. Alors, dans la carte locale qui doit être vue dans l'espace-temps attachée à l'étoile à neutrons, vous écrivez que, et je reprends la notation que j'utilisais la dernière fois, des grosses lettres et des coordonnées majuscules pour la carte locale, grand X et grand G, la métrique se développe comme une métrique de fond qui n'est pas Minkowski, mais qui est la métrique de l'objet isolé. C'est-à-dire ici, on a deux étoiles à neutrons. Donc si chaque étoile à neutrons était le seul objet dans l'univers, et s'il ne tourne pas, la métrique qu'elle engendre à l'extérieur serait la métrique de Schwarzschild de façon exacte, mais à l'intérieur de l'étoile à neutrons, il faudrait trouver quel est le prolongement de la métrique de Schwarzschild quand vous rentrez dans la matière d'une étoile à neutrons. Et ça, c'est facile à faire, c'est les équations de Tolmin, Oppenheimer, Volkoff. Donc ici, vous avez une solution exacte qui est celle d'une étoile à neutrons isolée. Mais maintenant, vous faites un développement perturbatif autour de ça avec des corrections qui... Dans tout ce que vous savez, c'est qu'elles vont être engendrées par le fait qu'il y a un compagnon, quelque part, et que ces déformations, ce qui va les caractériser, c'est qu'elles sont du type de marée, c'est-à-dire ce sont des types qui n'ont, de perturbations qui n'ont pas leur source à l'intérieur de l'étoile, mais qui viennent de développements multipolaires de type marée, venant du compagnon, et donc qui sont régulières à l'origine formellement du système de coordonnées, mais qui peuvent croître comme des polynômes, comme x carré, etc. Donc, on peut faire une théorie générale de perturbation d'une étoile à neutrons par une influence extérieure qu'à ce stade-là, vous ne connaissez pas. Vous écrivez la solution générale, comme ce qu'on avait fait dans le système solaire. En revanche, quand vous êtes entre les deux étoiles à neutrons ou loin des étoiles à neutrons, vous utilisez un développement perturbatif usuel. Et puis après, il faut que vous écriviez qu'il y a un raccordement des systèmes de coordonnées, une transformation des coordonnées, que vous écrivez aussi à ce stade-là, vous ne le connaissez pas, mais vous l'écrivez sous forme très générale, que cette coordonnée, vous l'écrivez en fait formellement comme une série Taylor infinie dans les grands X, qui sont les coordonnées spatiales, et après vous prouvez que c'est cohérent et que vous allez pouvoir, raccorder les deux développements. Alors, quand l'indice est grec, c'est spatio-temporel. Dès que l'indice est latin, ici, il y a un A, ça veut dire spatial. Les indices latins prennent trois valeurs. Et en utilisant cette méthode, j'avais montré à l'époque que la première influence où vous allez vous rendre compte que vous voulez, finalement, dans les équations du mouvement, dans le champ extérieur et dans les équations du mouvement de ces deux étoiles à neutrons, savoir à quel niveau d'approximation vous allez vous rendre compte que c'est une étoile à neutrons, par exemple, ou que c'est un trou noir. Et ça, c'est paramétrisé par quelque chose qui s'appelle le nombre de Love, qui... Au fait, Demetrios Christodoulou, quand je parlais de ça dans les années 80, croyait que j'avais pris ce nom-là à cause du mien. Et je lui ai dit que non, c'était Love est un physicien anglais qui avait introduit ça, qui est une mesure de la déformation de marée d'un corps. Par exemple, il y a le nombre de Love de la Terre qui dit que la Terre, sous l'influence des marées de la Lune, non seulement est déformée, c'est-à-dire que sa forme est déformée, mais elle acquiert un moment quadrupolaire induit à cause de ces déformations, et ce moment quadrupolaire induit engendre un champ gravitationnel lié à ce moment quadrupolaire loin de l'objet. C'est ça que mesure le nombre de Love. Et donc, vous raccordez la carte locale avec la carte globale, et vous trouvez que la première influence de quelle est la structure, et cet objet, ce nombre K ici, dépend de l'équation d'état de l'objet. Si c'est une étoile à neutrons qui a une équation d'état plus ou moins dure ou plus ou moins molle, ou si c'est un trou noir, auquel cas il vaut plutôt zéro d'ailleurs ce nombre de Love, et vous vous posez la question à quel ordre d'approximation ça intervient vu de loin. Et bien vous trouvez que c'est
en 1 sur c à la puissance 12, enfin à cette approximation-là, ce qui, dans les équations du mouvement, désigne des corrections qui sont à la dixième puissance de V sur c. Et ça, même pour les pulsars binaires, V sur c vaut de l'ordre de 10-3, la dixième puissance, voilà. C'est suffisamment petit pour l'oublier. Oui, Nathalie ? J'ai mentionné là, en parenthèse, que K égale 0 pour le trou noir. Oui, j'ai dit ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. En fait, c'est un sujet de recherche actuel. Définir la polarisabilité d'un trou noir est un sujet délicat, mais on n'en a pas besoin ici. Donc, le résultat de ça était de dire que c'est un principe d'effacement, c'est-à-dire que finalement, dans le mouvement de deux étoiles à un neutron, ou que ce soit du moment que c'est des corps compacts, des étoiles à un neutron, des trous noirs, ce mouvement relatif ne va pas dépendre de la structure interne de ces objets jusqu'à une ordre d'approximation très élevée. Et ça veut dire qu'après, on peut montrer que du coup, ça veut dire qu'on peut décrire les objets par un squelette. C'est-à-dire on remplaçait l'objet par une masse ponctuelle. Sauf que bien sûr, une masse ponctuelle dans une théorie non linéaire comme la relativité générale, ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas le droit de mettre une mesure delta au membre de droite des équations d'Einstein dans une théorie non linéaire. Vous le faites tout de même, mais vous le faites en régularisation dimensionnelle ou régularisation aussi avant analytique, ce qui veut dire que vous écrivez l'action d'Einstein en dimension d'espace-temps d plus 1, où la dimension petit d d'espace ne vaut plus 3 mais 3 plus epsilon. Et puis, vous écrivez le couplage à des masses ponctuelles là-dedans, et vous faites tous les calculs dans cette dimension prolongée analytiquement dans le plan complexe, et à la fin du calcul, vous faites tendre epsilon vers 0, et non seulement ça marche, mais le résultat est fini. Je veux dire, il n'y a pas. Après, vous pouvez contrôler. Il y a toute une théorie derrière qui a été faite pour montrer que c'est bon et que ça donne le bon résultat physique qui serait obtenu. La façon complète en fait de faire cette théorie multicarte consisterait à résoudre deux fois les équations d'Einstein localement, globalement, à trouver qu'il y a bien une transformation qui les raccorde complètement terme à terme et à tout calculer. Seulement ça reviendrait à faire les calculs deux fois, alors que là c'est une méthode plus rapide qui permet de faire les calculs une seule fois. Donc à ce stade-là, vous êtes ramené au problème qu'on avait discuté avant, qui consiste à dire dans les coordonnées extérieures, petit x, c'est-à-dire R4, R4 avec une métrique G vue dans le système de coordonnées globales, je trace deux lignes d'univers dans R4 et je me pose la question, est-ce que je peux résoudre les équations d'Einstein réduites en coordonnées harmoniques? Voilà, au fait, je ne les avais jamais écrites explicitement, la forme complètement explicite des équations d'Einstein en coordonnées harmoniques. Vous voyez que finalement, elles ne sont pas si compliquées que ça. La coordonnée harmonique a supprimé beaucoup de termes qui pourraient exister. C'est-à-dire, si vous écrivez les équations d'Einstein avec des gamma plus gamma gamma, les gamma, c'est une somme de trois termes, donc déjà, vous en avez chacun, il y en a neuf, etc. Là, si vous écrivez les coordonnées harmoniques suppriment une bonne partie des termes, et il reste ces produits de dérivées premières des G. Ici, il y en a tout de même un certain nombre, et puis les dérivées secondes des G. Et dans le membre de droite, vous avez le tenseur d'énergie-impulsion de particules ponctuelles vues dans une dimension d'espace-temps prolongée analytiquement. Qu'est-ce que tu as gagné à faire le changement de dimension? Le delta n'a pas disparu. Le delta n'a pas disparu, mais ce qu'on a gagné, je ne sais pas si je vais l'expliquer, c'est que tous les termes infinis disparaissent parce qu'ils deviennent zéro. L'essentiel, si je ne le dis pas, Je vais le dire un peu après. On ne pourrait pas faire les calculs. Si on fait les calculs en dimension 3, on tombe sur des quantités infinies. Bien. Et donc, il faut une théorie de la renormalisation classique, en fait, qui existe, cette théorie-là. En fait, ma première thèse en 1974 était la théorie de la renormalisation classique. Mais déjà là, il faut utiliser des techniques efficaces comme la régularisation analytique ou la régularisation dimensionnelle. Mais ici, comme on parle d'une théorie physique, il faut aussi démontrer non seulement qu'on peut faire des calculs formels pour éviter des termes infinis, mais que ça correspond bien à la réalité, parce que c'est de ça dont on parle. Alors, j'avais déjà expliqué dans mes cours précédents, mais certains de nos jeunes élèves ici ont raté les cours précédents parce qu'ils étaient ailleurs. Formellement, on peut représenter, donc vous résolvez les équations d'Einstein par approximation successive, et par exemple, à l'ordre le plus bas, vous avez une équation d'Alembert dans l'espace de Minkowski de fond, et dans le membre de droite, vous avez une distribution le long de ces lignes. Bien.
Ça, vous pouvez écrire la solution simplement en disant vous avez un propagateur qui est l'inverse d'Alembert, et ce propagateur agit sur la source qui est cette fonction delta, et donne, ça donne un champ au point x. Et puis après, vous continuez à l'ordre 2, vous avez le champ linéarisé créé par l'objet A et celui par l'objet B, qui se combinent de façon non linéaire dans le membre de droite des équations d'Einstein, et à partir de là, vous avez un vertex, c'est-à-dire un produit ici de deux dérivés, et ça se réengendre un troisième champ, qui est le champ d'une solution, c'est la méthode de Picard, des approximations successives, qui permet de calculer le champ au point X. Et donc, vous pouvez simplement voir les termes successifs à l'aide de diagrammes, et puis, à la fin, quand vous avez calculé la métrique comme ça, vous calculez, en fait, pour ce problème-là, vous calculez les équations du mouvement, c'est-à-dire vous calculez quelle est l'accélération de l'étoile à neutrons ici, dans le système de coordonnées globales, calculé en ce point-là, et en tenant compte, pour répondre à Pierre, de termes, par exemple, qui seraient de ce type-là. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire la force agissant sur le corps A due au champ gravitationnel du corps A lui-même. Et en théorie newtonienne, cette force, c'est le gradient du potentiel newtonien du corps A agissant sur lui-même, mais comme justement c'est le corps A lui-même, c'est le gradient de quelque chose qui est nul, en 1 sur R au point R égale 0. Donc c'est ça qui, quand on est en dimension spatiale complexe, au lieu de valoir 1 sur 0, donc l'infini, ça vaut le gradient de quelque chose sur D-2, et si la partie réelle de D est suffisamment petite, cet objet-là est nul. Voilà, donc ça élimine les termes d'auto-action. Oui, oui, dans toutes les théories des champs. Mais ça, c'est simplement, ici on a une théorie classique, mais les mêmes théories, les mêmes méthodes que les théories quantiques sont utiles techniquement. C'est tout ce que... Oui, alors maintenant, contrairement à dans les cours précédents, j'avais parlé de l'action de Fokker sous le propagateur symétrique, demi-avancé, demi-retardé. Ici, on parle du problème physique. J'ai deux étoiles à neutrons et, par exemple, la force agissant sur cette étoile à neutrons, force au sens du calcul de perturbation, est due à l'action retardée de son compagnon, résolu par le potentiel retardé et dont on calcule la force. Et vous calculez les termes supérieurs. Alors je vous rappelle que j'avais montré explicitement comment calculer, que par exemple aux ordres le plus bas, qui est l'échange d'un graviton ou ce terme avec un vertex cubique ou ce terme-là à trois corps, et que vous développiez, non seulement vous calculez à l'ordre le plus bas avec le potentiel retardé, mais vous développez en puissance de 1 sur C pour dire le retard R sur C est petit, donc je développe par rapport à ça, et on pouvait obtenir à l'approximation V2 sur C2 au-delà de Newton que les équations du mouvement de système à deux corps dérivaient d'un Lagrangien de Lorentz, Drost, Einstein, Feld, Hoffmann, explicitement écrit ici. Mais maintenant, on parle du problème à des ordres plus élevés où les effets de retard, de propagation de la gravitation vont être importants, et donc il ne va plus y avoir de Lagrangien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'abord, ici, j'ai juste esquissé le type de terme qu'on avait calculé avec Nathalie au début des années 80. Et donc, mais ils peuvent être... on ne les a pas calculés, d'ailleurs, en écrivant ces diagrammes avec des règles de Feynman depuis le début, mais on a calculé des choses équivalentes, juste je représente ce que c'était. Donc, ici, quand vous avez essentiellement ce qui remplace la force en 1 sur R carré, de cet objet-là dû à l'objet B, vous avez la loi de Newton en GMA MB sur R carré, et puis des termes en V2 sur C2 que j'ai déjà discuté, et il a fallu pousser l'approximation à V4 sur C4 et à V5 sur C5. Et le fait qu'il y ait V5 sur C5 ici, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui n'est plus du type pair en V sur C. Des corrections en V sur C à une puissance pair, ce sont des corrections qui sont invariantes sous le changement du signe du temps. C'est-à-dire si je change le temps en moins temps, ce qui veut dire les vitesses dans moins les vitesses, quelque chose de pair ne change pas, tant que quelque chose d'impair vous dit que vous dépendez de quelque chose qui, dans ce cas-là, est le propagateur retardé. Donc vous voyez que dès que vous avez un terme en V5 sur C5, ça dépend du propagateur retardé. Mais il y a d'autres termes en V5 sur C5, parce que ces termes-là, qui avaient été calculés avant,
jusqu'à l'ordre 1 sur C2, il faut les développer, eux, à des corrections V2 sur C2 et V3 sur C3, qui, multipliées par V2 sur C2, donnent du V5 sur C5. Donc, vous avez aussi des termes avec. Et puis, surtout, il faut aller à des termes, vous voyez, plus hautement non linéaires, c'est-à-dire vous utilisez la structure non linéaire ici, en champ faible, c'est-à-dire en dehors des deux étoiles à neutrons. Et il y a pas mal de termes comme ça à calculer, mais ceux-là, il suffit de les calculer à V sur C. En plus, comme un pulsar binaire, ça contient au moins une des deux, un pulsar par définition, le compagnon n'est pas forcément un pulsar. On verra qu'il y a un cas où le compagnon est un pulsar que l'on voit aussi, qu'on appelle le pulsar double, mais les autres, on voit un seul pulsar. Mais en tout cas, un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne. Et donc, il faut dans la théorie dire que ce n'est pas des objets, que c'est des objets qui tournent. Donc il faut introduire les effets de spin aussi. Dire mes objets ne sont pas seulement une métrique de Schwarzschild localement, mais quelque chose comme une métrique de Schwarzschild plus paramètre de rotation. Et ça crée des couplages nouveaux entre, en fait, qui sont du type spin orbits, parce que le spin-spin est négligeable dans ce système-là, c'est-à-dire le spin de l'objet B agit là, et le fait que l'objet A ait un spin agit aussi. Et puis il y a aussi le spin-spin, mais il est négligeable pour les pulsars binaires. Mais on le calcule aussi. À la fin de tout ça, c'est-à-dire à l'époque, à la fin de quelques années de calcul avec Nathalie, à l'époque il n'y avait pas Mathematica, tout était fait à la main. Donc c'était considéré comme difficile, même très difficile, et on a obtenu les équations du mouvement complètes, ce qui veut dire que l'axe dans le système de coordonnées global, mais avec le raisonnement que j'ai dit, ça tient compte des effets de champs forts, des champs proches de chaque étoile à neutrons, fortement autogravitants, mais le résultat que j'ai indiqué d'effacement de la structure interne veut dire que tous les effets de champs forts ont disparu parce qu'ils ont été absorbés dans la définition de la masse de cet objet. Chaque objet a une masse qui apparaît dans l'action effective, mais cette masse, c'est elle qui inclut tous les effets de champ fort, et le résultat consiste à dire que tout ça est renormalisé à l'intérieur de cette masse et qu'après, c'est effacé. Donc, il y a ces masses habillées, si vous voulez, qui interviennent, et sinon, on ne voit vraiment rien avec ce truc-là. Hein. L'accélération, mais je vais vous le dire, il y a un premier terme dans zéro qui est la loi Newton, moins g m' sur r carré, qui dit que le terme le plus bas, la force, c'est la loi en 1 sur r carré. Après, vous avez des termes en V2 sur C2, qui sont les anciens termes connus depuis le début du siècle, Einstein, Feldman, Lorentz, Drosse, etc. Et puis, il y a les termes en V4 sur C4. Ah, vous ne voyez rien, mais vous voyez tout de même qu'il y en a beaucoup. Vous ne voyez pas, mais tous les coefficients sont rationnels. Je dis ça parce qu'à l'ordre d'après, en fait, pour la première fois, des coefficients irrationnels avec zeta de 2 sont apparus, qui avait été une surprise parce que par récurrence, en tant que physicien, comme on avait eu des rationnels aux trois premiers ordres d'approximation, on pensait que ça allait être rationnel à l'infini. Et puis il y a les termes en V5 sur C5. Et ces termes-là sont conceptuellement importants puisque, justement, comme Hugo nous l'a rappelé, ils viennent vraiment du fait qu'entre les deux corps, on a utilisé, donc entre les deux corps, tous les propagateurs qui ont été utilisés à l'ordre comme ça et puis aux ordres non linéaires étaient tous retardés, distinguaient le passé et le futur. Et c'est ce caractère retardé, c'est-à-dire le fait qu'il y a une propagation à vitesse finie de l'interaction gravitationnelle, hein, que depuis Newton se posait la question, la loi en 1 sur r carré, comment se fait-il qu'un objet ici sente la présence d'un autre objet de façon instantanée? Ici, ça n'est pas instantané, ça a mis du temps pour se propager, et ce temps de propagation et les effets non linéaires associés vient introduit une correction dans les équations du mouvement en V5 sur C5. Quelles sont les conséquences physiques de ça? Donc, les effets physiques liés à tous ces termes, au-delà, ça c'est la loi Newton, ça c'est les corrections V2 sur C2 qui étaient connues depuis longtemps. La première chose qu'on a montré avec Nathalie, c'est que les termes, si on tronque les équations du mouvement en disant, bon, je mets de côté V5 sur C5 et le reste, je garde que les termes en V2 sur C2 et V4 sur C4, qui, comme je l'ai expliqué, comme il n'y a que des puissances paires, en tout cas, c'est invariant par rapport au changement du signe du temps. Mais ça ne prouve pas qu'il va y avoir une action, parce que les équations du mouvement dérivées d'une action, c'est quelque chose de très précis. Mais on a bien montré que tous ces termes-là dérivaient d'une action,
qu'on peut voir comme l'action de Fokker, comme je l'expliquais. Sauf que la surprise à l'époque, et comme je vous l'ai dit rapidement, il y avait une erreur dans le Landau-Lifschitz de l'époque à ce propos pour l'électromagnétisme, c'est que cette action n'est pas seulement le Lagrangien, ne dépend pas seulement des positions et des vitesses, mais qu'il y avait un Lagrangien dépendant. Donc, à l'ordre V4 sur C4, il existe un Lagrangien qui dépend des positions des deux objets, qu'avant je l'appelais X1, X2, de leur vitesse, V1, V2, mais aussi de leur accélération. C'est-à-dire que ce Lagrangien est un Lagrangien d'ordre supérieur et qui n'existe pas, si vous voulez garder l'invariance de Lorentz manifeste, un Lagrangien qui ne dépend que des positions et des vitesses. En fait, il existe d'autres systèmes de coordonnées où il existe un Lagrangien qui ne dépend que des positions et des vitesses, mais pas dans les coordonnées harmoniques. Et du coup, à cause de ce Lagrangien, on peut voir que la dynamique de ce système est qualitativement semblable à la dynamique des systèmes avant, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'ellipse déformée dont le périastre avance. Il n'y a pas d'effet qualitatif complètement nouveau. Il y a des effets quantitatifs, c'est-à-dire par exemple que j'ai montré ici, l'avance, le paramètre qui mesure l'avance du périastre, qui est du système binaire, qui est ici introduit de la façon suivante. L'avance du périastre, ça veut dire que vous avez un objet qui bouge sur quelque chose qui ressemble à une ellipse, mais qui n'est pas une ellipse, on va voir en détail. Et à chaque tour, ici c'est le péri, c'est pas le périastre, c'est l'apoastre le plus loin, mais enfin peu importe, ça donne le même angle. Il y a un angle, c'est-à-dire l'ellipse n'est pas fixe dans l'espace, elle tourne dans un plan, et vous avez un angle delta phi. Et quand vous divisez delta phi par 2π, ce qui est sa mesure naturelle, ça vous donne un nombre en dimension k, qui ne contient plus de nombre transcendant. Et k, en relativité générale, est donné par, à l'ordre le plus bas, en V2 sur C2, il contient le coefficient 3. Vous vous rappelez que j'avais fait les calculs explicites, ça donnait 6π. 6π divisé par 2π, ça donne 3. Donc vous avez le 3 de la relativité générale, mais après vous avez des corrections d'ordre supérieur. Donc vous voyez, l'avance du périastre est différente à cause de ces termes-là. Et du coup, dans les pulsars binaires, il faut tenir compte, en principe, de ces corrections-là, parce que quand vous mesurez l'avance du périastre à 4 chiffres, par exemple, ou 5 chiffres, cette correction-là est une correction de l'ordre de 10-3 par rapport à la première. Non, en fait, là, c'est 10-5. Mais dans un certain cas, vous l'avez mesuré à 5 chiffres. Donc, il faut tenir compte de ça, formellement. Mais la, une des... Le premier terme, c'est celui de Mercure. Oui, le premier terme, c'est celui de Mercure. Mercure, sauf que Mercure, c'est le cas d'une particule test autour d'une grosse masse. Donc là, on peut faire le calcul dans Schwarzschild. Après, il y a l'analogue de Mercure quand on a deux corps de masse comparable, mais ça avait été fait depuis longtemps. Et là, c'est l'analogue à l'ordre le plus bas, qui donne toujours 3. C'est-à-dire le coefficient 3, c'est toujours le même. Il n'est pas modifié par le rapport des masses. Et puis, vous avez ces termes en V5 sur C5. Alors si vous arriviez à les voir, ces termes en V5 sur C5, mais ça serait assez difficile, on voit vraiment très mal, hein. C'est que une partie de ces termes-là, en particulier ici, vous avez des termes qui s'annulent si l'objet tournait sur une trajectoire circulaire, juste disons pour simplifier, et du coup le reste des termes ici sont proportionnels à la vitesse, mais ont des signes moins qui sont ici et là. Et donc ce sont des objets qui sont opposés à la vitesse, et donc vous voyez par ce calcul que l'effet de propagation de la gravité donne des termes en moins k fois la vitesse, c'est-à-dire comme une terme de frottement. Okay? Et donc vous voyez directement que ça, c'est le freinage, enfin, c'est le freinage de rayonnement, c'est lié au fait que ce système envoie des ondes gravitationnelles à l'infini, mais j'ai jamais eu besoin de dire que ce système perd de l'énergie ou du moment cinétique à l'infini. On fait un calcul, et c'est le propagateur retardé qui dit qu'il y a dans les équations du moment des termes qui s'opposent à la vitesse et qui vont faire quoi? Dans un système de deux étoiles, c'est un petit peu paradoxal, comme si vous avez une force qui s'oppose à la vitesse, ça va, l'objet va tomber sur une orbite plus proche. Et du coup, il va tourner plus vite, parce qu'une fois que vous êtes sur une orbite plus proche, vous êtes plus proche de votre compagnon, et donc la période orbitale va en fait diminuer. Donc vous avez un frottement, et vous allez plus vite sous l'influence du frottement, mais c'est normal. Et ça veut dire que le calcul que du coup vous pouvez faire, c'est qu'un système binaire a une période orbitale qui s'indique par P indice petit b, ou b veut dire binaire, donc c'est la période binaire de ce système. Et cette période orbitale, elle va décroître au cours du temps.
Donc elle est une fonction du temps, et le paramètre que vous calculez à partir des équations du moment, c'est la dérivée de ces périodes orbitales par rapport au temps. P, B, dot, point. Okay? Comme c'est la dérivée d'un temps par rapport à un temps, c'est un objet sans dimension. Et en fait, cet objet, donc j'ai expliqué pourquoi il y a un signe moins devant, et cet objet, il est essentiellement, donc là il est écrit, vous voyez, il est en 1 sur C5, donc il vient vraiment des termes en V5 sur C5. En fait, en ordre de grandeur, ce terme-là divisé par ça, c'est la vitesse orbitale, disons, moyenne, V sur C à la puissance 5. Donc c'est ça l'essentiel. Mais quand vous êtes sur une trajectoire elliptique, avec une excentricité E, vous avez des corrections qui ne sont pas en fait négligeables, puisque c'est un facteur plus que 10 dans le cas qui va nous intéresser principalement. En tout cas, ça c'est une prédiction de la relativité générale, qui n'utilise pas de raisonnement heuristique. Mais ici, donc ici, j'ai dit, à partir de la relativité générale, vous faites un calcul du mouvement de deux étoiles à neutrons en tenant compte de leur structure d'objets compacts, et champ gravitationnel fort, mais ça c'est effacé, c'est absorbé dans les coefficients, et après vous êtes obligé de faire les calculs explicites jusqu'à un certain nombre. Pour le moment, rien n'est observable là-dedans. Donc il faut se poser la question, quand Joe Taylor mesure quelque chose qui vient d'un pulsar binaire, qu'est-ce qu'il observe? Et bien sûr, on sait, comme je vous l'ai rappelé, que ce qu'il observera, ça sera un invariant d'espace-temps. Je vais pouvoir le calculer dans n'importe quel système de coordonnées, mais il faut formuler ce qu'il observe sous forme d'invariant d'abord, avant de le calculer. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est la première chose que j'ai dite dans cette série de cours, il faut toujours formuler les choses comme dans un diagramme d'espace-temps. Ici, donc, dans l'espace-temps, vous avez, quelque part dans l'espace-temps, ce qui veut dire, en fait, ce pulsar binaire, il est dans la galaxie à quelques milliers d'années-lumière, hein, il est au milieu de la galaxie, le premier découvert. Et donc, dans l'espace-temps, vous avez une double hélice faite de ces deux étoiles à neutrons qui tournent l'un autour de l'autre. Une de ces deux objets est un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Et en tournant, il y a un phénomène de phare qui fait, enfin c'est pas lié, si c'est lié à la rotation, c'est-à-dire cet objet, une étoile à neutrons, a un axe de rotation, et puis il a aussi des zones, qui sont d'ailleurs mal comprises, qui émettent des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, il y a un champ magnétique fort, pense-t-on, et lié à ce champ magnétique, c'est-à-dire c'est une étoile magnétisée, elle est magnétisée dans une direction qui n'est pas alignée avec son axe de rotation, parce que si tout était aligné, il n'y aurait pas d'effet de phare, puisque ça serait toujours dans la même direction. Tandis que là, disons ça c'est le pôle magnétique, ça émet des ondes électromagnétiques dans cette direction-là, et ça tourne. Donc ça fait comme un gyrophare sur une voiture de police, et ce gyrophare, il bouge sur une certaine orbite. Et donc, il balaye l'espace, donc vous avez ce gyrophare qui balaye l'espace, et ce qu'on observe, c'est quand ce gyrophare intersecte la Terre, arrive sur les radiotélescopes qui observent ces ondes radio. En fait, c'est un signal très faible, et c'est merveilleux que les ondes radio arrivent à voir des choses aussi faibles et aussi lointaines avec tant de précision. Quelle longueur d'onde ? Ça, on l'observe de là à 400 MHz en général, ou au GHz, mais le signal est beaucoup plus faible au GHz. Donc, c'est les ondes radio. Donc, ce qu'observe Joe Taylor, c'est en fait le temps propre d'arriver... Ah oui, donc, le point essentiel, c'est que quand le gyrophare est dirigé vers vous, vous voyez quelque chose. Et puis, quand il n'est pas dirigé vers vous, vous ne voyez rien. Donc, ce qu'observent les observateurs, c'est, quand ils sont dans une certaine direction du ciel, c'est qu'ils ont du bruit, où il ne se passe rien. Et puis, vous avez un pulse, c'est pour ça que ça s'appelle pulsar, quand le faisceau d'ondes électromagnétiques vous arrive dans la figure, c'est-à-dire sur le radiotélescope. Et donc, ce que vous observez, c'est le temps d'arrivée du premier pulse, le temps d'arrivée du deuxième pulse, le temps d'arrivée du troisième pulse, le temps d'arrivée du quatrième pulse. Et ça, c'est des temps propres. C'est le temps de l'horloge locale, mais dans un champ gravitationnel, donc en relativité générale, c'est un temps propre. Donc vous avez le temps propre mesuré sur la Terre, et vous voulez relier ça à quoi? Vous vouliez relier ça, en fait, au nombre de tours, c'est-à-dire à l'indice n, ici. Ici, vous avez taux indice n. Ce nombre de tours n, qui appartient à l'ensemble des entiers
naturelle. En fait, ça pourrait même être Z si on voulait, parce que ça, mais on l'observe qu'à partir d'un certain jour. Lui, il va être lié à quoi? Il va être lié quelque part au temps propre dans le référentiel grand X lié au pulsar binaire à sa rotation propre, puisque dans ce référentiel-là, en première approximation, il tourne à vitesse constante, vitesse angulaire constante. Donc, le calcul maintenant va être celui de la formule de chronométrage, c'est-à-dire de quelle est la formule mathématique qui exprime ce temps propre-là, qui est relié par une géodésique isotrope de l'espace-temps, puisqu'il suffit d'utiliser... En fait, il y a des corrections dues au fait que l'optique géométrique n'est pas complètement correcte là, mais disons, dans l'approximation de l'optique géométrique, le signal électromagnétique est représenté par une géodésique de genre lumière, par définition, allant de cette world line-là à cette ligne d'univers-là. Ok, donc cette formule de chronométrage, c'est le temps propre ici, mesuré en fonction de l'eau. Mais maintenant, il faut faire le calcul complet, c'est-à-dire comment on calcule cette formule de chronométrage. Alors, pour ça, on parle justement, on reprend la méthode des cartes multiples, et il faut se souvenir que localement, dans la carte locale grand X, qui est valable au voisinage du pulsar, ici maintenant, c'est le dessin dans l'espace-temps. Donc ici, j'ai une carte grand X qui est dans un domaine d'espace-temps, un tube d'espace-temps au voisinage du pulsar qui tourne autour de son compagnon. Ici, j'ai une carte d'espace-temps qui est le petit X, qui est la carte globale barycentrique de mon système de deux étoiles à neutrons, qui n'est pas le même que le système barycentrique du système solaire, parce que le système solaire, lui, il est à l'autre bout de la galaxie et il se déplace par rapport à ça, et il y a des effets de propagation dans la galaxie aussi qu'il va falloir prendre en compte. Mais on utilise cette formule, et cette formule, elle contient plusieurs effets physiques importants. C'est que d'abord, quel est le temps grand T, quel est le lien entre le... Pour faire cette transformation de temps propre à temps propre, on va passer par des temps coordonnés intermédiaires. C'est-à-dire, il y a le temps propre du pulsar, il y a le temps coordonné grand T de sa carte locale, il y a le temps coordonné T pulsar de la carte du barycentre des deux étoiles à neutrons, puis il y a le temps coordonné du système solaire, et puis il y a le temps propre à l'arrivée. Donc il faut faire une échelle de transformation comme ça. Je vais vous passer les détails, mais je vais vous indiquer tout de même quels sont les éléments de cette transformation. Et par exemple, le temps propre, ce grand T, veut dire que localement, dans la carte locale, la géométrie de l'espace-temps voisinage de l'étoile à neutrons, ça ressemble à une géométrie de Schwarzschild, dans laquelle apparaît un temps coordonné grand T. Ce temps coordonné grand T, c'est justement, si je pouvais aller à l'infini, très loin de cette étoile à neutrons isolée, ça serait le temps à l'infini de cette étoile à neutrons. Et c'est ce temps-là qui mesure le nombre de tours. Okay? Mais je ne peux pas vraiment aller à l'infini, parce que si je vais à l'infini, je tombe le compagnon, la galaxie, etc. Mais tout ça est mathématiquement bien défini. Ah oui, et puis l'autre point important, c'est qu'il y a ces transformations-là. À l'ordre linéaire, vous avez une matrice qui apparaît ici. Cette matrice, elle contient plusieurs effets physiques. Elle contient des effets que l'on connaît en relativité restreinte de transformation de Lorentz. C'est un neutron, il bouge par rapport à un certain système de coordonnées. Donc il faut que les axes aient une certaine transformation de Lorentz. Mais il y a aussi des effets gravitationnels qui sont ici, qui dépendent du compagnon. Tout ça est mis là-dedans. Mais cette matrice va nous dire qu'il y a des effets physiques qui deviennent importants, en fait, là-dedans. Et puis, donc vous commencez à faire le calcul. Par exemple, oui, ici, vous avez des effets de Lorentz dus à la vitesse, mais il y a des corrections en V2 sur C2 et en la masse, le potentiel gravitationnel du compagnon. Un point très important, c'est que le formalisme vous relie le temps coordonné grand T de la carte locale a un invariant géométrique. C'est un DS2, mais c'est un DS2 d'un espace-temps régularisé, c'est-à-dire que finalement, le temps propre du pulsar, c'est comme si j'avais effacé le pulsar, mais que j'avais une ligne d'univers placée dans un espace-temps qui n'est pas le vrai espace-temps, parce que le vrai espace-temps, au voisinage du pulsar, j'ai la masse du pulsar et j'ai Schwarzschild, okay, du pulsar. Mais j'efface ça et j'ai un espace-temps régularisé qui est la métrique créée par le compagnon, essentiellement. Bien. Et ça, c'est ce que le formalisme vous donne, et ça permet de calculer. Et du coup, quand vous faites le calcul, vous trouvez que le temps propre du pulsar, il est donné par une intégrale d'une racine carrée, parce que c'est racine carrée d'un DS2, et dans ce DS2, il apparaît la masse du compagnon, c'est-à-dire vous avez le champ gravitationnel, mais
vous avez enlevé le champ gravitationnel du pulsar lui-même. Mais ça, c'est le formaliste qui le dit. Ce n'est plus maintenant de régularisation dimensionnelle, c'est de la physique. Et du coup, le fait que le compagnon, ici, soit de temps en temps à 300 000 km, de temps en temps à 100 000 km, va changer le potentiel gravitationnel qui apparaît ici. Et puis, le fait que le pulsar que je suis ait une certaine vitesse aussi, va changer le lien entre son temps propre et le temps coordonné global. Donc ça, c'est des effets de dilatation des temps, l'effet Einstein dû au potentiel gravitationnel du compagnon et l'effet Lorentz de dilatation des temps, moins 1,5 de V2 sur C2, enfin l'effet Einstein aussi, 1905. Donc, à la fin, donc vous avez une série comme ça de transformations de temps et à la fin, vous obtenez la formule de chronométrage qui relie directement le temps propre mesuré, c'est-à-dire ce temps propre-là, mesuré sur Terre. En fait, il faut faire une correction du temps propre mesuré sur Terre au temps propre que Joe Taylor et ses compagnons mesureraient si les radiotélescopes étaient au barycentre du système solaire. Parce que dans le système solaire, il faut aussi faire des corrections, puisque la Terre bouge. Et puis la Terre est dans un potentiel gravitationnel. Donc il faut aussi prendre ça en compte, mais ça, c'est des effets de champ faible. C'est plus facile de les prendre en compte. Une fois que vous avez pris en compte, vous avez effacé le système solaire et vous travaillez comme si vous calculiez le temps d'arrivée au centre du système solaire. Et vous n'avez plus que les effets dus au pulsar. Alors, quels sont les effets? Donc ça, c'est ce temps propre corrigé par un certain nombre d'effets. Et il diffère d'un facteur grand D qui combine certains effets, mais l'effet principal, c'est un effet Doppler qui est que finalement, le pulsar binaire, c'est un système qui se déplace dans la galaxie, et nous, on est là dans la galaxie, donc entre ces deux objets, il y a un effet Doppler, en V sur C et en V2 sur C2. Donc ce facteur apparaît, il est là, il est donné par cette formule. Les autres effets sont des effets physiques divers. Le premier, auquel on a mis l'indice R, pour Römer, parce que le jeune physicien Römer, qui était danois, oui, a travaillé en France, et c'est le premier, au XVIIe siècle, qui a compris qu'il y avait un effet de propagation, que les satellites de Jupiter, quand on regarde les satellites qui tournent autour de Jupiter, leur période et leur mouvement autour de Jupiter fait que, vu de la Terre, la période avec laquelle on les voit tourner et être occultés par Jupiter n'est pas constante parce que de temps en temps ils sont plus proches de la Terre et de temps en temps plus loin et il faut tenir compte du temps de parcours à la vitesse de la lumière. Et ici vous avez la même chose, l'effet principal c'est que le pulsar est ici et il tourne autour de son compagnon, mais de temps en temps le pulsar est là au fond de sa trajectoire, de temps en temps il est plus près et donc le temps où vous mesurez le signal d'arrivée ici, va contenir une réflexion de jusqu'où je suis sur la trajectoire. Donc l'effet principal, c'est ça, c'est que le pulsar bouge sur son orbite et vous avez le temps de retard qui est simplement, qui est le temps, alors en anglais time of flight, le temps de voyage de la lumière pour traverser l'orbite. Quoi. Et ce temps dépend où on est sur l'orbite. Donc, tu dis que c'est l'ordre de la seconde. Oui, alors ça, effectivement, ça c'est très grand, c'est de l'ordre de la seconde. Voilà. C'est pour ce système-là, la distance est de l'ordre de 300 000 km, c'est-à-dire une seconde lumière, et donc là, c'est un effet très grand. Okay ? Par rapport aux fréquences. Par rapport aux fréquences. Non, mais surtout ici, oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la fréquence, par exemple, dans ce pulsar-là, sa vitesse de rotation sur lui-même est 59 millisecondes. Donc ces pulses, ici, sont séparées en gros de 59 millisecondes. Okay. Mais. Voilà. Mais au bout d'un moment, s'il n'y avait que ça, si le pulsar est isolé, on aurait une suite qui est, comment ça s'appelle, arithmétique. Arithmétique, c'est-à-dire l'écart constant. Le fait que, au bout de quelques heures, parce que la période orbitale est de 8 heures, donc au bout de la moitié de ça, au bout de 4 heures, il va y avoir un décalage de l'ordre d'une seconde par rapport à une suite arithmétique. Donc c'est des effets énormes, en fait. Chacun devrait arriver chaque 50 minutes, mais ce truc-là bouge un peu comme un accordéon. Bien. Donc il y a ce terme-là qui dépend de là où on est. Et puis, vous avez l'effet dont j'ai parlé avant, qui est que le temps propre du pulsar qui mesure
C'est 59 millisecondes dans le repère propre, si vous voulez, du pulsar. Mais ce temps-là est dilaté, quand vous le voyez dans le barycentre du système des deux étoiles à neutrons, par l'effet Einstein en GM qui dépend de la masse du compagnon. Parce que quand le compagnon est plus proche, vous avez un effet gravitationnel plus fort, quand il est plus loin, plus faible, et puis de la vitesse du pulsar. Donc vous avez ces termes-là et l'intégrale de ça. Vous avez aussi un effet dont j'ai déjà parlé dans le système solaire, qui est que quand le pulsar est là et que son compagnon est sur une autre ellipse comme ça et par là, les rayons lumineux, enfin les rayons électromagnétiques, passent plus près du compagnon que dans certains cas, et ça conduit à un temps de retard, l'effet Shapiro qu'on avait calculé dans le système solaire, qui était donné par cette intégrale d'un terme coulombien en 1 sur R. Donc il faut tenir compte de ça, d'où l'indice S pour Shapiro. Et puis, un effet qui n'est pas, d'ailleurs finalement à la fin, il est difficile de le mesurer, mais conceptuellement il est important, c'est que j'ai dit que le référentiel propre de chaque pulsar, il est connecté à notre référentiel par une matrice qui tient compte des effets de boost en relativité restreinte, des choses comme ça, et donc il y a un effet d'aberration, c'est-à-dire que la direction d'émission, le pulsar émet dans une certaine direction, mais pour que cette direction donne quelque chose qui atteigne la Terre, il faut que cette direction ne soit pas toujours la même. Il y a un effet d'aberration pour que, justement, ça nous arrive à nous, parce que dans un référentiel en mouvement, les angles changent par l'aberration. Donc, il faut tenir compte de tous ces effets. Et pour l'effet, alors, avant de tenir compte... L'ordre conceptuel ici, tu as calculé la chose et après tu as reconnu les effets ou tu avais en tête les effets ? Non, on avait tous ces effets en tête. Ah oui, ici les références étaient apparues. Avant nous, Blandford et Tucholsky, oui c'est ça, avaient écrit une formule où il y avait seulement une partie des effets. Mais c'est eux les premiers qui ont compris qu'il ne fallait pas interpréter ça en termes d'effet Doppler, mais de formule de chronométrage. Et nous, on a fait la première théorie relativiste complète. Donc, par exemple, ils avaient dit dès le début, il y aura l'effet Shapiro. Donc, en revanche, la partie la plus nouvelle de ce que l'on a fait, c'est de comment calculer le terme principal. Le terme principal, c'est ce terme de Romère qui est de traverser toute l'orbite. Pour ça, il faut résoudre les équations du mouvement de l'orbite. Maintenant, ce truc-là est donné par une formule mathématique, mais qui dépend de quoi ? De la position coordonnée de l'objet dans l'espace, en fonction du temps. Donc, pour calculer ce terme, il faut résoudre les équations du mouvement. Là, il suffit de les résoudre à l'approximation au-delà de Newton, c'est-à-dire V2 sur C2 suffit. Mais du coup, et c'est la première chose qu'on avait faite avec Nathalie en 85, et du coup, on reprend le Lagrangien qui décrit le mouvement de deux objets, à l'ordre V2 sur C2, qui est le Lagrangien bien connu que j'ai écrit des tas de fois, avec les coefficients 3, 7, etc. Mais maintenant, vous voulez résoudre le problème à deux corps le plus exactement possible à ce niveau d'approximation. Alors, vous pouvez le résoudre en fait assez facilement en remarquant que ce système, ce Lagrangien, admet, est en fait invariant sous le groupe de Poincaré. Et du coup, il a 10 constantes du mouvement, qui sont le moment linéaire, l'impulsion totale, l'énergie totale, le moment cinétique total, et l'intégrale du centre de masse, K égale le centre de gravité moins Vt. Et du coup, vous pouvez résoudre ça en vous plaçant dans le centre de masse. Il existe un centre de masse, et dans ce centre de masse, vous utilisez la méthode traditionnelle, qui est vous utilisez les coordonnées polaires, c'est dans un plan, etc. Mais la petite difficulté, c'est que vous trouvez que les équations sont plus compliquées que chez Newton. Chez Newton, vous auriez une équation pour le mouvement radial qui est que R point carré est un polynôme du deuxième ordre en 1 sur R. Et vous savez, vous utilisez la variable de Binet, U égale 1 sur R, et comme ça, vous avez une équation qui se ramène à des intégrales, à des sinus et des cosinus, parce que vous n'avez qu'un polynôme du deuxième degré. Ici, vous avez un polynôme du troisième degré. Et puis, le mouvement angulaire aussi contient des termes du troisième degré. Alors, soit vous dites, ah, c'est eu troisième degré, pas de problème, je prends des intégrales elliptiques, etc. Mais alors là, ça complique pour rien. Soit vous utilisez un truc qu'on a introduit avec Nathalie, qui est de dire, un polynôme du troisième degré, je peux le ramener à un polynôme du deuxième degré en shiftant, désolé pour l'anglais, la coordonnée R par une transformation que les Grecs ont inventée il y a plus de 2000 ans, qui s'appelle conchoïdale, c'est-à-dire vous remplacez R par R' plus une constante, et comme ce terme-là, il contient un petit paramètre 1 sur C2, vous calculez la constante pour que ce terme-là disparaisse, et du coup, vous êtes ramené au problème keplérien. Et en fait, c'est ça qui est utile, c'est que
et j'ai écrit la solution explicite, la solution du problème à deux corps en relativité générale à cet ordre d'approximation-là peut être écrite de façon quasi-keplérienne, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble précisément à la solution du problème de Newton à deux corps, et c'est techniquement utile. Bon, c'est pas une grande découverte, mais c'est techniquement utile. En particulier, quelle est la solution du problème à deux corps ? La solution du problème à deux corps est donnée d'abord par l'équation de Kepler. Vous savez que Kepler a introduit... Il n'y a pas de bonne paramétrisation. Enfin, ce n'est pas évident comment paramétriser le mouvement de Kepler. Donc, il a introduit l'anomalie excentrique, un angle U, qui est relié au temps et à la période N, et le moyen mouvement, comme on disait autrefois, c'est-à-dire 2π sur la période, donc la fréquence orbitale, oméga égale 2π sur p, le temps. Et ici, vous avez un angle qui va de 0 à 2π, et l'équation de Kepler, c'est U moins E, l'excentricité sinus U. Donc, il se trouve que vous pouvez définir un U qui satisfait une équation de Kepler, seulement il faut une certaine excentricité E particulière. Okay? Après, les autres équations de Kepler, c'est que la distance entre les deux objets est proportionnelle à 1 moins E cosinus U. C'est l'équation d'une ellipse dans les coordonnées de Kepler. Eh bien, vous avez en relativité générale la même chose, E moins E cosinus U, sauf que l'excentricité n'est pas la même ici que là. Mais en tout cas, c'est quasi keplérien. Il y a des excentricités un peu différentes, mais la formule ne contient que des sinus et des cosinus, c'est l'avantage. Et puis, la dernière partie du mouvement keplérien à deux corps, c'est de dire que l'angle θ dans le plan, hein, ici je suis dans un plan, et j'ai l'angle θ et le rayon en fonction du temps. Je suis en train de discuter ici le mouvement relatif, parce que c'est deux corps, hein, on parle de deux corps, mais je suis dans le centre de masse, donc les deux corps bougent par rapport au centre de masse, et soit j'écris le mouvement de chaque corps par rapport au centre de masse, soit j'écris le mouvement relatif. En fait, pour ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de chaque corps, parce que ce que vous observez, ce n'est pas le mouvement relatif entre les deux corps, c'est le mouvement absolu par rapport au centre de masse d'un des corps, du pulsar. Donc c'est celui-là qui nous intéresse, le A, disons, ici. Et puis, oui, donc l'angle, en général, dans la formulation de Kepler, il est égal à deux arctangentes de racine carrée de 1 plus l'excentricité sur moins l'excentricité, tangente de U sur 2. Bon. Ce qui veut dire que les tangentes de θ sur 2, c'est proportionnel à la tangente de l'anomalie excentrique sur 2, avec un facteur entre les deux qui est racine carrée de 1 moins l'excentricité sur 1 plus l'excentricité. Vous avez la même formule, sauf que, encore une fois, c'est une autre excentricité, une troisième qui apparaît, mais en tout cas la formule ressemble comme avant, donc c'est plus simple de l'écrire comme ça parce qu'il n'y a encore que des sinus et des tangentes, mais il apparaît devant le facteur k dont je parlais, qui est justement l'avance du périastre. Donc k était l'angle dont tourne le périastre divisé par 2π, et dans la formule ça veut dire qu'il apparaît justement ici comme 1 plus k, c'est la même chose. Donc c'est l'avance moyenne du périastre qui apparaît comme un facteur ici. Donc, c'est le même que l'autre, celui-là. Pardon ? C'est le même que celui qui a appelé de Love tout à l'heure. Non, pardon. Oui, non, ce cas-là n'a rien à voir avec Love. C'est, oui, désolé de la confusion. Nombre de Love, justement, a totalement disparu du problème. C'était la structure interne des étoiles à neutrons. Ici, c'est une notation pour l'avance du périastre prise sans dimension. Donc là, c'est les formules finales qui sont très simples, mais ces formules, elles contiennent aussi des formules explicites reliant tous les paramètres qui apparaissent ici à l'énergie et le moment cinétique du système. La vraie résolution des équations est là. Donc il y a quelques petits polynômes un peu plus compliqués. Alors, ça, c'était le mouvement du pulsar dans l'espace. Et vous l'utilisez pour calculer le terme de Romer, qui est ce terme de propagation de la lumière à travers le système. Et donc, c'est un calcul purement géométrique. Il faut vous utiliser la formulation quasi-keplérienne. En fait, il faut faire encore un petit truc de plus, mais on verra. Mais essentiellement, vous avez une représentation du coup du terme de Romer avec des sinus U et des cosinus U, c'est-à-dire de l'anomalie excentrique. À la fin de tout ça, vous obtenez la formule de chronométrage qui, dans la littérature, s'appelle DD, qui donc est une formule mathématique explicite qui relie le temps d'arrivée au barycentre du système solaire des ondes radio, des pulses successives du pulsar, comme fonction d'un nombre entier n, puisque, comme je le disais, vous avez une suite taux 1, taux 2, taux 3 paramétrisée par l'indice entier grand n, et pour chaque n, vous voulez savoir quel est le temps d'arrivée sur Terre. Donc, d'abord, vous introduisez, vous reliez ce grand N, qui est un entier,
au temps propre du pulsar. Si le pulsar tournait à vitesse absolument constante, si sa rotation était constante, n serait une fonction linéaire de t. Mais les observateurs pulsars ont remarqué très tôt que les pulsars, en fait, ils se fatiguent, c'est-à-dire ils ne tournent pas toujours à la même vitesse. Eux, leur vitesse angulaire diminue parce qu'ils perdent de l'énergie sous forme électromagnétique et du coup, ils tournent moins vite. Donc, il faut introduire un terme de diminution de la fréquence de spin du pulsar, T2, et puis des termes d'accélération, etc. Mais en tout cas, ça c'est un détail, disons, ce N est lié, c'est, de toute façon c'est un entier, et puis ici vous avez la période du pulsar que vous allez fitter, parce que la période du pulsar, vous la connaissez, que quand vous recevez ici, hein, ça fait partie des paramètres que vous devez ajuster. Et puis le reste de la formule est donné simplement par la somme des termes, etc., remet. Et donc tous ces termes-là ne contiennent, vous voyez, que des sinus et des cosinus, et sont des fonctions d'une anomalie excentrique, U, qui est définie par une équation très simple de Kepler, U moins E sinus U. Sauf que, alors quels sont les effets physiques nouveaux? Les effets physiques nouveaux sont ici, c'est-à-dire les effets qui sont liés à la relativité générale, sont ici indiqués avec la couleur rouge. Un des effets importants dont j'ai déjà parlé, ah oui, ici, tous les paramètres qui sont écrits en bleu, comme ça, ça, c'est des paramètres qui existeraient si vous faisiez une description purement keplérienne du système binaire. C'est-à-dire une ellipse keplérienne, etc. Il faut tout de même tenir compte de Romer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se propage, bon, mais il y a la vitesse de la lumière, mais pas dans les équations du mouvement. Et les paramètres rouges, c'est tous les effets qui sont liés à la relativité générale. Donc il y a deux types de paramètres dans cette formule de chronométrage. Alors, quels sont les effets liés à la relativité générale? Un des effets importants, c'est que dans cette formule-là, si rien ne bougeait, voudrait dire que j'ai une période binaire, période orbitale ici constante. Je vous ai dit avant que la période orbitale du système binaire, à cause des effets de propagation de la gravitation, change. Cet effet fait un déphasage du membre de droite par un terme en P point. C'est le P point qui était d'ordre V5 sur C5. Donc ici, vous avez une correction en V5 sur C5 qui est qualitativement différente des autres. Il existe aussi des corrections dans X, c'est la projection du demi-grand axe, en fait. X, c'est un paramètre qui apparaît là, qui est l'amplitude du terme de Romer. Mais l'amplitude du terme de Romer, c'est justement de combien je bouge sur mon orbite. Donc, c'est le demi-grand axe projeté par un certain angle de projection. Et ce demi-grand axe, il bouge aussi parce que, à cause de ce freinage de rayonnement gravitationnel, il y a un changement aussi de la taille de l'orbite. Donc, il y a ce terme-là, l'excentricité bouge. L'avance du périastre est un paramètre justement relativiste qui apparaît ici en rouge, K. Et puis, ici, vous avez encore d'autres effets relativistes, celui-là. Oui ? Quand tu passes un peu d'autres, là, sur l'avance du périastre, tu l'as dit tout à l'heure, que parfois, il fallait tenir compte d'un constant associé K. Oui. Est-ce que dans toutes ces versions plus récentes des formules, on l'inclut ou jamais ? Oui, on l'inclut. Michael Kramer l'inclut. Mais comme tu sais, c'est subtil parce qu'en fait, même si on ne l'incluait pas, ça ne changerait pas les tests. Je vais arriver après aux tests. Et il faut l'inclure conceptuellement. -3 de l'ordre de 10-3. Donc oui, ce qui montre que l'effet P point, qui était en V sur C à la puissance 5, vous diriez, c'est 10-15. Mais devant, il y avait 192 pi sur 5, qui déjà le booste, et puis il y avait les effets d'excentricité qui le rebooste d'un facteur 10. Et c'est pour ça que finalement, P point vaut 10-12 pour le pulsar lame. Mais il y a d'autres pulsars où il est de l'ordre de 10-14, choses comme ça. Oui, oui. Alors, justement, oui. Une question au sujet des pulses du pulsar lui-même. Est-ce qu'il y a on peut observer des sous-structures dedans ou c'est trop Tout à fait. Et j'y reviendrai après. D'abord, ces pulses, il se passe plusieurs choses. D'abord, ici, j'ai dessiné, d'ailleurs, mon dessin est à peu près correct, en ce sens que chaque pulse est différent, et c'est le cas. C'est-à-dire que quand on observe les pulses successifs, ils sont très bruités. Ce phénomène d'émission du pulsar n'est absolument pas un bon gyrophare tranquille. C'est une espèce de gyrophare qui crépite à tout moment avec des coupures d'électricité, ce qui fait que de temps en temps, il n'y a pas de pulse du tout. Et que chaque forme ici de pulse peut être la suivante, peut être comme ça.
elles sont toutes très différentes. Mais si on prend 5 minutes, si on intègre sur 5 minutes, donc ça fait quelques milliers ou des choses comme ça de pulses, et tu les additionnes, tu as un pulse moyen qui, lui, est très stable. C'est-à-dire, si tu reprends 5 minutes, une heure après ou le lendemain, tu as la même forme. Alors, ces formes de pulses, il y en a plusieurs. Il y a certains pulses qui sont comme ça, gaussiens à peu près. Et celui qui nous intéresse, en fait, il a une structure double. Il y a deux bosses. Et ces deux bosses sont liées à on ne comprend pas, en fait, vraiment le phénomène d'émission des pulsars. Mais sont sans doute liées au fait que le cône d'émission n'est pas un cône plein, mais un cône vide. C'est-à-dire, si je coupe ce cône comme ça, j'ai une structure comme ça, annulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au centre, qu'il n'y a rien dehors, et qu'il y a des choses. Et du coup, quand la ligne de visée sur Terre que tu vois coupe ça, tu as les deux pulses. Et on y reviendra après, parce que ça donne lieu à des tests en fait très importants de la relativité générale. Ici, avant d'arrêter pour la pause, d'ailleurs, je vais essayer de procéder un petit peu tout de même, d'avancer un petit peu, disons que le point important dans cette formule de chronométrage, c'est qu'il y a deux types de paramètres dedans. Il y a des paramètres keplériens qui existeraient et qui non seulement existeraient dans une théorie keplérienne, mais en plus, ces paramètres kepleriens, ils correspondent à des signaux les plus grands. Justement, c'était la question de Pierre, celui qui consiste à traverser toute l'orbite, c'est une seconde, c'est un truc énorme, et devant, il y a un paramètre keplérien. Et puis, il y a des effets relativistes derrière qui sont plus petits, certains de l'ordre de la milliseconde et d'autres de l'ordre de la microseconde. Et justement, tout le combat là-dedans, c'est de savoir jusqu'où on peut mesurer, quels effets on peut mesurer. Et puis, donc, il y a ces paramètres kepleriens et les paramètres qu'on a appelés post-kepleriens, non pas post-newtoniens, parce que ça n'a rien à voir ici avec un développement autour de Newton, mais c'est par rapport à une formule de chronométrage keplérienne. Et tous ces paramètres-là, pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont tous des effets relativistes liés à la relativité générale. Et donc, si vous les mesurez, chacun d'entre eux, vous allez avoir des tests de la gravitation pour chaque paramètre que vous allez mesurer. On va rentrer dans le détail comment c'est fait. Le premier d'entre eux, c'est l'avance du périastre, K. Alors, pourquoi ce terme-là? Il est facile à mesurer parce qu'il est séculaire. L'avance du périastre, c'est quelque chose qui s'accumule au cours du temps. Et en fait, il conduit à une dérive que vous voyez assez rapidement. Donc après quelques mois et maintenant en fait quelques semaines, les observateurs mesurent l'avance du périastre avec une certaine précision. Il y avait le paramètre gamma, qui était un des paramètres qui apparaît là, devant sinus U. Et ce paramètre gamma, il est lié à l'effet Einstein, c'est-à-dire le fait que l'horloge pulsar soit une... C'est-à-dire, un pulsar qui tourne, c'est comme une horloge, par sa rotation. Cette horloge, elle est plongée dans le champ gravitationnel du compagnon et elle bouge. Et donc, il y a des effets de dilatation de cette horloge. Le temps que je vois de cette horloge est déplacé par rapport à une horloge qui ne bougerait pas, et c'est gamma qui mesure ça. Donc, celui-là, il est de l'ordre de la milliseconde, OK? Et puis, vous avez l'avance du. Le rétrécissement de la période orbitale, qui est conceptuellement important. Alors, il est petit. A priori, on se dit 10-12, ça va être tout petit. Mais ils ont pu le mesurer après quelques années parce qu'il est cumulatif. Ça veut dire que la phase orbitale du système, après quelques années, elle est vraiment différente. Et du coup, la phase augmente quadratiquement. Donc, du coup, même si ce terme est petit, on arrive à le mesurer avec précision. On verra quels sont les chiffres exactement. Ensuite, il y a des paramètres qui, eux, deviennent plus difficiles à mesurer. C'est comme ce qu'on a appelé R et S, c'est-à-dire « the range and the shape of the Shapiro time delay ». Donc là, vous avez un paramètre qui est lié au temps de retard que prennent les ondes électromagnétiques qui passent au voisinage du compagnon. Et il y a deux paramètres qui entrent là-dedans. Le paramètre qui est devant, qui est l'amplitude de cet effet, le range, R, et le paramètre, un autre, qui est S, ici. Ah, il se trouve qu'en fait, S s'appelle S aussi, pas seulement parce que c'est la shape du truc, mais parce que c'est le sinus de l'angle d'inclinaison de l'orbite. Et il se trouve qu'il y a certains systèmes où, en fait, on peut mesurer. Souvent, l'effet Shapiro est difficile à mesurer, parce qu'il est un peu noyé dans le bruit, et puis il est surfité par d'autres feeds de paramètres. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de systèmes où le plan orbital du pulsar binaire est vu par la tranche. Et du coup,
quand, par hasard, mais c'est un bon hasard. Et du coup, comme vous avez les deux étoiles qui bougent là dans ce plan-là, et vous le voyez par la tranche, les rayons lumineux, quand l'objet est au fond, elles passent très près du compagnon, puisque si vous étiez sur la tranche, ça tomberait dessus, même essentiellement. Et du coup, ça amplifie ce terme-là, et donc il y a certains systèmes où on le voit mieux que dans d'autres, par ces effets géométriques. Bien. Donc, et puis, les autres paramètres, en fait, ceux-là n'ont pas encore été mesurés. C'est pour dire, la théorie dit, voilà, en principe, vous allez faire ça. Michael Kramer les garde à l'esprit et veut essayer de les mesurer. Parce que ça, c'est par exemple le fait que l'orbite, quand j'ai écrit l'équation de l'orbite, j'ai dit on résout l'équation de l'orbite, c'est des équations post-keplériennes, mais finalement, l'orbite n'est pas une ellipse, quelque part, la forme de l'ellipse n'est pas une ellipse. Et cette déformation de l'orbite par rapport à une ellipse est mesurée par ce paramètre delta theta, et ça, c'est un effet qui n'est pas cumulatif et qui est finalement petit. Le point important, avant d'arrêter pour une petite pause, c'est que si vous prenez la formule de chronométrage en relativité générale, c'est-à-dire ici, je fais tous les calculs en relativité générale et on a une formule à la fin où il apparaît beaucoup de paramètres. Ces paramètres, ils sont fonction de seulement deux paramètres inconnus. C'est-à-dire, ils sont fonction des paramètres keplériens et des deux masses du pulsar et de son compagnon, parce que les masses M1 et M2, MA et MB, intervenaient dans tout le calcul et restent à la fin du calcul. Donc, tous ces paramètres post-keplériens, c'est-à-dire relativistes, par exemple l'avance du périastre en relativité générale, c'est une fonction de l'excentricité que vous mesurez observationnellement, et de ce paramètre-là, gm fois la fréquence orbitale sur c cube à la puissance 1 tiers, qui est une espèce de vitesse v sur c, qui dépend de la masse totale, ma plus mb. Donc vous voyez que l'avance du périastre dépend de la somme des deux masses. A priori, vous ne connaissez aucune des deux masses. Et tous les paramètres de cette formule de chronométrage sont fonction des deux masses MA et MB. Ici, elles sont toutes écrites explicitement en fonction des deux mass ratios, les rapports de masse, MA sur la masse totale et MB sur la masse totale, ce qui veut dire 1 moins XA. Et donc, vous voyez qu'en relativité générale, même si la formule dépend de beaucoup de paramètres indépendants, tous ces paramètres, finalement, ne dépendent que de deux paramètres inconnus, qui est la masse du pulsar, que vous ne connaissez pas a priori, et la masse du compagnon, que vous connaissez encore moins, parce que vous ne savez pas du tout ce qu'est le compagnon. Bien, on va s'arrêter là pour reprendre les tests expérimentaux après. Je disais que dans le cadre de la relativité générale, tous les paramètres post-keplériens, c'est-à-dire ceux qui sont liés à des effets relativistes, sont tous des fonctions totalement explicite, déterminée par la théorie, des deux masses, MA et MB, du pulsar et son compagnon. Maintenant, la problématique va être comment est-ce qu'on peut tester la gravitation relativiste en utilisant les pulsars binaires. Il y a en fait deux approches, une qui est indépendante d'hypothèses théoriques ou phénoménologiques, qui s'appelle le formalisme paramétrisé post-keplérien et non pas post-newtonien, c'est une idée différente, et une autre approche qui consiste à sélectionner des classes de théories particulières, une approche qui dépend de choix de classes de théories. Alors, l'approche phénoménologique consiste à dire, comme on vient de le voir, parce que c'est non seulement en relativité, j'ai montré cette formule de chronométrage explicite. Cette formule de chronométrage, elle est valable non seulement en relativité générale, mais en fait, on montre qu'elle est valable dans n'importe quelle théorie invariante de Lorentz de la gravitation, c'est-à-dire si vous rajoutez des champs, voilà. En particulier, si vous rajoutez un nombre quelconque de champs scalaires, la forme finale mathématique de la formule de chronométrage sera la même, mais en revanche, les liens entre les paramètres et les masses seront différents. Mais en tout cas, la forme de la formule de chronométrage est la même. Et même si on ne savait pas ça, on peut de toute façon se poser la question phénoménologique suivante, qui est que les observateurs ont des suites comme ça de temps propre qu'ils mesurent. Eh bien, la question est, et ici il y a une formule de chronométrage explicite, tau comme fonction de n. Vous pouvez poser la question, est-ce que vous pouvez ajuster cette formule de chronométrage, qui contient un certain nombre de paramètres inconnus, de sorte à reproduire tous les résultats expérimentaux. Et si vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous faites un ajustement en français, un fit, un ajustement de moindre carré, à la sortie, vous allez mesurer tous les paramètres
qui apparaissent dans cette formule de chronométrage, à la fois les paramètres keplériens et les paramètres post-keplériens, si le signal contenu dans ces paramètres n'est pas trop petit. Si c'est un effet qui est de l'ordre de la nanoseconde, on peut l'oublier. Les précisions ultimes sur les mesures des temps d'arrivée sont de l'ordre de la microseconde. Donc tout effet, soit cumulatif, soit instantané, périodique, mais plus grand que la microseconde, vous pouvez a priori le mesurer. Et après avoir fait ça, vous vous posez la question suivante. En relativité générale, comme je l'ai dit, tous les paramètres sont donnés comme fonction de deux paramètres indépendants, les masses MA et MB. Donc si vous mesurez deux paramètres post-keplériens, ça vous donne deux équations pour deux inconnus. Ça vous donne, par exemple, si vous mesurez l'avance du périastre et gamma, ça, vous avez deux équations qui contiennent comme inconnues les deux masses. Et donc, vous pouvez, en général, résoudre ces deux équations. De façon graphique, ça veut dire que vous pouvez introduire un plan, par définition à deux dimensions, qui est le plan des deux masses. A désigne le pulsar et B le compagnon. Quand vous mesurez un paramètre comme K, par exemple, si vous mesurez ça, vous avez un nombre ici, l'avance du périastre vaut ça. Et donc, vous avez une équation qui ne contient que la somme des deux masses. Donc ça vous dit que vous devez être sur cette ligne-là, comme c'est la somme des deux masses, c'est une ligne droite. Si vous mesurez un autre paramètre, comme celui-là, vous allez avoir une ligne courbe, en général, mais donc quand vous mesurez K, ça vous donne cette ligne droite, quand vous mesurez gamma, ça vous donne cette autre ligne droite. Une fois que vous avez deux lignes, en général, elles s'intersectent en un point, enfin si la théorie est bonne, il faut qu'elles s'intersectent, et ce point, ça définit les deux masses. La masse du pulsar que vous ne connaissiez pas, maintenant vous les connaissez, ces deux masses. Et maintenant, si vous mesurez un troisième paramètre, eh bien, a priori, phénoménologiquement, ça va être une troisième courbe, mais elle pourrait passer n'importe où dans le plan, puisque vous la mesurez phénoménologiquement. Si la théorie de la relativité générale est correcte, le troisième paramètre doit aussi passer, c'est censé être rose, ça, doit aussi passer par le même point d'intersection, au bar d'erreur près. Et si vous en mesurez un quatrième, vous allez voir aussi s'il passe toujours par le point d'intersection, etc., etc. Donc, dès que vous avez mesuré plus que deux paramètres, c'est-à-dire 2 plus n, où n est un entier strictement positif, vous avez n tests de la théorie de la relativité générale. Il faut que ces courbes aient un point d'intersection commun. Si elles ne l'ont pas, c'est que la théorie de la relativité générale est fausse, à des barres d'erreur près. De façon phénoménologique, vous avez là, chaque test est potentiellement une façon de tuer la théorie, c'est-à-dire si les courbes ne s'intersectent pas, ça y est, la relativité générale est fausse. Elle était vraie dans le système solaire, elle est fausse dans les pulsars binaires. Au maximum, quand vous tenez compte aussi, c'est lié à la question de Cédric, des effets de pulse, parce que ici, pour simplifier, j'ai montré que la formule de chronométrage des temps d'arrivée des pulses. Avec Joe Taylor, on a développé une formule pour le pulse profile, c'est-à-dire comment cette forme-là évolue dans le temps. Et en tout, on pourrait mesurer 19 paramètres. Là, je vous montre les résultats actuels les plus précis. Sur 4 pulsars binaires, en fait, il y a actuellement une vingtaine de pulsars binaires, mais parmi ces vingtaines, beaucoup ne sont pas intéressants pour la relativité ou pour autre chose. Il y en a 4 qui sont du type le premier pulsar dont je parlais, découvert dans l'été 74 de Hulse-Taylor, il s'appelle PSR 1913+16. Et puis, depuis, ont été découverts celui-là qui a un pulsar relativiste. Celui-là, où il y a le plus de courbes, c'est le pulsar double, où vous observez les deux objets, à la fois A et à la fois B. Donc, vous voyez, ça, c'est l'interprétation. Donc, expliquons ça. Dans le cas du premier pulsar binaire, même si on avait développé toute la théorie pour dire avec Nathalie qu'on peut mesurer d'autres paramètres, finalement, avec la précision, à cause du fait que ce pulsar aussi, il devient de moins en moins mesurable. Et en fait, il va disparaître, et je vais expliquer pourquoi il va disparaître, on ne va plus le voir d'ailleurs, avant de réapparaître dans des centaines d'années. Il y a 3 paramètres que l'on a mesurés avec précision. L'un qui est K, qui est l'avance du périastre, oméga point, gamma justement dont je parlais, donc vous voyez, j'ai ce point-là d'intersection. Maintenant, la troisième paramètre qu'on a mesuré, c'est justement le P point, l'avance, je veux dire le changement de la période orbitale, et vous voyez que cette troisième courbe, même si elle est tangente, elle passe pile par ce point-là, et on verra les chiffres à 10-3 près. Okay. Mais en fait, pour avoir cet accord, il faut introduire une corrélation. Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça a l'air d'être truandard. Je vous ai dit que dans la galaxie, tout bouge bien. Et en particulier, ce pulsar binaire, par rapport à nous, il a un certain mouvement.
Et en fait, il tombe dans la galaxie avec une certaine accélération. Et ça, ça introduit une correction. Si on ne faisait pas cette correction, parce que je me rappelle encore quand j'ai reçu, est-ce que c'était déjà un email ? Oui, ça devait déjà être un email de Joe Taylor, disant qu'il y avait un problème avec ce pulsar binaire, c'est-à-dire qu'il y avait des accords entre la théorie et l'expérience. Et on a compris avec Joe, c'est qu'il y avait des accords parce qu'il fallait tenir compte du fait que ce pulsar, ce système, tombe avec une certaine accélération dans la galaxie, et il faut retirer cet effet-là, que vous pouvez calculer, théoriquement, et après ça, vous avez accord parfait à 2 sigma. Sinon, il y aurait des accords à 13 sigma ou des choses comme ça aujourd'hui. Donc, tu veux dire vers le centre de la galaxie ? Oui, essentiellement. Il y a aussi les effets de vitesse, mais en gros, en même temps, ça tourne, ce truc-là. Bon, mais il y a les effets centrifuges. Donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit, quand vous avez n plus 2 mesures, vous avez n tests. Ici, j'ai 3 mesures, donc j'ai un test de la relativité générale. Ici, vous voyez que j'en ai plus, parce que j'en ai gamma, R, S, oméga point et PB. Donc, vous faites le calcul de combien de tests. Le point important, c'est de savoir, vous prenez les plus précis, par exemple, ces deux-là s'intersectent ici, et maintenant, vous regardez si toutes les autres courbes passent par là. Et vous voyez, celle-là qui est là passe bien par là. Celle-là, c'est strip, c'est une bande, en fait. Il y a une barre d'erreur assez grande, mais cette bande passe par là. Le P point a lui aussi une bande qui est juste au bord de ça, mais on ne s'inquiète pas parce que c'est un sigma, ces trucs-là. Donc là aussi, vous avez de nouveau plusieurs tests de la relativité générale et qui inclut, encore une fois, le P point. C'est-à-dire, je vous rappelle que P point veut dire les effets radiatifs, les effets. Donc ce pulsar-là prouve que la gravitation se propage à vitesse de la lumière selon les équations d'Einstein, okay, comme un spin 2. Oui, Cédric ? Oui, pour le premier pulsar dont tu parlais, donc l'effet qui est dû à la chute du pulsar dans la galaxie, tu le mesures. Non, tu le calcules. Tu le calcules, mais comment tu calcules le champ ? Pour ça, il faut connaître, à partir de la position de ce pulsar dans la galaxie, tu sais où il est, il faut connaître le rayon de l'orbite autour du centre de galaxie, l'accélération. Donc, ce n'est pas connu avec grande précision, mais suffisamment. En fait, ça limite la précision. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu dois faire ces corrections, tu vois que ça marche, donc tu es content. Mais en fait, la barre d'erreur qui limite actuellement le test, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas calculer cette correction assez précisément. On peut pas le mettre comme un paramètre supplémentaire et le... Ah oui, mais alors là, tu disparais. Si tu mets un paramètre supplémentaire, oui, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, on peut mesurer quelque chose sur la galaxie à partir de ça. Mais c'est moins intéressant que dire que vous prouvez que la gravitation se propage à la vitesse de la lumière, qui était tout de même le but qui a valu le prix Nobel à Hulse et Taylor pour ça. Donc ici, vous avez un plus... En tout, il y a 11 tests de la gravitation. Donc, je vous rappelle, ici, il y a 11 intersections. Enfin, en tout, quand vous enlevez les deux qui définissent un premier point et vous calculez le nombre de courbes supplémentaires, il y a 11 tests qui prouvent que qui confirment la validité de la relativité générale avec des précisions. Confirme la validité de la relativité générale, ça veut dire les propriétés générales de la relativité générale, ça ne vérifie pas les équations d'Einstein. Si, justement. À cause de ce que j'ai dit avant, le fait que, par exemple, dans toute la théorie multicarte, il ait fallu résoudre localement avec les effets de champ fort d'une étoile à neutrons, on va voir que si je change la théorie, ces courbes-là s'éclatent partout, et ne s'intersecte plus. C'est ça le test, mais on va y arriver après. Tout ce qui est intervenu dans le calcul, le fait qu'il y a un propagateur retardé avec les effets non linéaires d'Einstein, le fait qu'il y ait des effets de champ fort aux étoiles, intervient dans le résultat final. Donc, c'est tout le problème de la théorie de la confirmation en physique. C'est-à-dire, vous ne savez jamais ce que vous confirmez, mais en tout cas, en bloc, vous êtes content. C'est-à-dire, la théorie est confirmée. On ne peut pas dire qu'elle soit vérifiée, c'est ça la question. C'est-à-dire, elle n'est pas prouvée qu'elle est vraie, mais elle est confirmée. Mais si on... Oui, Ivan ? Oui ? On regarde maintenant F de R. Oui, oui, on y arrive. C'est après. On peut comparer ? Oui, 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 on y arrive. F de R est un cas particulier, on a pris des théories plus générales que ça. Donc ici, là vous avez un festival de... un tutti-frutti de tests, c'est-à-dire celui-là, à lui seul, il a 5 tests de la gravitation. Il y a 2 courbes, vous voyez, qui s'intersectent très proprement. Après, il y en a d'autres qui passent aussi pile par là, il y en a d'autres qui passent pile par là. Il y en a certaines, comme celle-là, qui sont des bandes plus grosses, mais qui intersectent bien ce point-là. Ce terme-là est un couplage de spin-orbite, justement parce que, en fait, dès la découverte des pulsars binaires, avec Raymond Ruffini, le premier article publié sur les pulsars binaires, on avait dit... Un pulsar, c'est un gyroscope, et donc son axe de rotation, là, doit évoluer par couplage spin-orbite,
Et donc, du coup, l'angle sous lequel on le voit doit évoluer, ce qui doit avoir des effets sur le profil, ça doit changer le profil, et ça peut même le faire disparaître. Et il se trouve qu'effectivement, maintenant, il y a des pulsars qu'on ne voit plus, parce qu'on a vu leur profil. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, si le profil est comme ça, il bouge et que ça, c'est la ligne qu'on voit de la Terre, vous ne voyez plus le profil. Le pulsar binaire historique va disparaître dans maintenant une dizaine d'années, parce que c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et il y en a d'autres qui sont apparus aussi, qui n'étaient pas là, puis tout d'un coup, on les voit. Donc, on voit tout ça dynamique. Et ça, on peut tester, et c'est un nouveau test de la gravitation, qui est les couplages spin-orbit. C'est-à-dire, on a prouvé qu'effectivement, c'est vrai. Par exemple, pour le pulsar binaire, on sait que ça, ça a bougé de là à là, par exemple. Et donc, c'est compatible avec le couplage spin-orbit en relativité générale. Et ici, on a mesuré même le paramètre. Donc, à ce stade-là, au niveau phénoménologique, la théorie de la relativité générale explique toutes les observations des pulsars binaires. Mais justement, à cause de la question qui se pose à tout le monde, on peut se demander, mais c'est bien que ça marche, mais on aimerait savoir qu'est-ce qu'on teste dans la théorie. Et pour faire savoir ce qu'on teste, il est utile de faire contraste, c'est-à-dire je prends une autre théorie, comme ça je vais voir ce qui change, parce que si toutes les théories donnaient les mêmes prédictions, ça ne serait pas un test très fort. Et donc pour ça, il faut compléter l'approche phénoménologique par une approche dépendante de la théorie, c'est-à-dire considérer un espace de théorie, qui va être simplement un espace à plusieurs paramètres, c'est-à-dire vous introduisez une nouvelle théorie qui est paramétrisée par les paramètres, et là-dedans, la relativité générale est un point de cet espace, et vous posez la question, les données, est-ce qu'elles vont me restreindre à un voisinage de la relativité générale, ou qu'est-ce que j'apprends vraiment, etc. Alors, ça a été fait dans des travaux de Gilles Posito-Farais et moi-même, et dans d'autres avant, Hurdley, etc., dans mon petit article de revue que j'ai indiqué au début du Particle Data Group, il y a toutes les références liées à ça. Donc, on prend une théorie tenseur scalaire de la gravitation, c'est-à-dire vous ajoutez, je l'ai déjà expliqué avant, au Lagrangien d'Einstein-Hilbert, un terme en gradient d'un terme d'un champ scalaire. En fait, on a même pu faire la théorie avec plusieurs champs scalaires, et on peut développer toute la théorie comme ça avec plusieurs champs scalaires. Mais ici, prenons seulement un champ scalaire pour simplifier. Et j'ai discuté avant, quels sont les effets d'un seul champ scalaire dans le système solaire? Eh bien, qui sont dus au couplage entre la matière et ce champ scalaire. Je vous rappelle que, essentiellement, ce qui est important, c'est qu'on dit qu'il y a une métrique physique, que tous les corps tombent, suivent des géodésiques, c'est-à-dire sont couplés à une métrique qui n'est pas la même métrique que celle qui intervient dans l'action d'Einstein, ça c'est ce que j'avais appelé G-star mu-nu avant. Il y a une autre métrique qui est conforme, qui est reliée de façon conforme, la métrique G-tilde, qui diffère de la métrique d'Einstein, ici G mu-nu, par E puissance 2 fois une fonction de phi. Donc vous avez une fonction, A de phi, qui paramétrise cette théorie. Okay, c'est une théorie sans main. On peut l'appeler comme on veut. C'est un des noms possibles. On peut l'appeler champ de Jordan Firth, parce que c'est eux qui l'ont introduit le premier aussi. Non, dilaton, c'est autre chose. Mais dans le système solaire, donc vous avez cette fonction de couplage, mais comme je l'ai dit la dernière fois, dans le système solaire, vous ne testez pas toute cette fonction de couplage. Vous testez le voisinage d'un point qui est le point qui correspond à la valeur du champ scalaire loin du système solaire. Vous avez une valeur phi zéro de ce champ scalaire au voisinage du système solaire. Et du coup, comme je l'ai expliqué avant, les deux paramètres que vous testez, c'est la première dérivée de cette fonction au voisinage de ce point-là, et puis la deuxième dérivée, c'est-à-dire la courbure et la pente. Et ces deux paramètres, alpha zéro de pente et bêta zéro de courbure, interviennent dans toutes les déviations que vous pouvez mesurer dans le système solaire, comme j'ai dit par exemple la constante de Newton était changée par 1 plus alpha 2, hein, c'est, comme c'est indiqué par les diagrammes ici, on est en train de dire que dans cette théorie, quand j'ai deux corps, j'ai non seulement l'échange d'un graviton de spin 2, je vous rappelle, mais aussi l'échange du champ scalaire de spin 2, couplé avec alpha 0 à chaque bout, et donc tous les effets de champ scalaire sont proportionnels à alpha 0 carré. Et si alpha 0 et tous les effets post-newtoniens qu'on avait discutés, gamma moins 1 et bêta moins 1 des vieux paramètres sont proportionnels, l'un à alpha 0 carré directement et l'autre à le produit bêta 0 fois alpha 0 carré. Tous les tests du système solaire, c'est transparent et vieux, mais le meilleur c'est Cassini, vous dit que alpha 0 est tout petit, okay, que alpha 0 carré est plus petit que 10 moins 5,
et la relativité générale serait alpha 0 égale à 0. Et donc, il y a plusieurs thèses dans le système solaire, mais dès que alpha 0 est petit, tout est satisfait dans le système solaire. En revanche, quand vous considérez maintenant des étoiles à neutrons, comme on va le discuter, on va voir que vous allez sonder la courbe A de phi plus profondément. C'est-à-dire, au lieu de sonder juste le voisinage d'un point, vous allez sonder la forme de cette courbe et ses propriétés convexité, concavité, etc. Et comme je vais y revenir dans un moment, on a trouvé avec Gilles Esposito-Farès qu'il y a un phénomène intéressant lié à symmetry breaking, de scalarisation spontanée. C'est-à-dire, si vous prenez une théorie qui scalaire, qui dans le système solaire est couplée très faiblement, ce qui veut dire que le champ phi 0, vous voyez, le voisinage d'un point ici qui est à tangente presque horizontale. Okay ? Mais maintenant, vous prenez la même théorie, mais dans un pulsar binaire, et ben vous trouvez que le champ phi, pouf, il peut glisser loin de ce point que vous observez dans le système solaire, et du coup, vous allez tester la théorie, et c'est à cause des effets de champ fort, bien au-delà. Et en fait, vous trouvez que le coefficient de couplage du scalaire à une étoile à neutrons peut être de l'ordre de l'unité, même s'il vaut 10-5 dans le système solaire. C'est-à-dire, on a construit explicitement des théories qui, dans le système solaire, passent tous les tests, alpha carré est plus petit que 10-5, ou même 10-10, ou même 10-100. Et puis, dans les pulsars, dans les étoiles à neutrons, ça devient, alpha carré devient de l'ordre de l'unité. Donc ça, c'est un cas qui montre bien que les pulsars binaires testent les effets de champ fort. C'est une preuve. Parce que les ordres de symétrie classiques. Oui, classiques. De phi qui, le point phi égal à 0 serait une solution, et puis il prend une valeur non nulle parce qu'il va mis... Non, ici, comme c'était ce qui était représenté au-dessus, comme c'est juste un champ scalaire, la symétrie, c'est juste entre phi et moins phi. J'ai une seule direction. Phi n'est pas un champ complexe. Donc, je n'ai pas la partie. On pourrait mettre la partie, la phase aussi, mais ici, ça suffit de dire vous tombez là ou vous tombez là, mais en tout cas, vous ne restez pas là. Alors que dans le système solaire, on reste là. Alors, et les effets, il y a plusieurs effets qu'on va voir explicitement. Ça va changer la formule de chronométrage, à la fois parce que dans les équations du mouvement de corps, vous allez avoir des couplages différents d'avant. Et puis aussi, j'ai dit qu'il y avait le problème du P-point, c'est-à-dire on a vu la propagation de la gravité à une vitesse finie. Ce que je n'ai pas dit explicitement, parce que le point, c'était qu'on la voyait directement, que c'est une preuve directe que la gravitation, les ondes gravitationnelles existent. Avant, les gens avaient fait un raisonnement indirect en disant un système de deux corps qui bougent va perdre de l'énergie et du moment cinétique à l'infini, et il faut que quelqu'un paye pour cette perte. Et donc, il doit y avoir des effets en réaction dans le système, même si on ne peut pas faire les calculs, etc. Pour les théories tenseurs scalaires, là, on a relaxé notre exigence de rigueur et on utilise ce raisonnement indirect, heuristique, parce qu'il est plus facile dans les théories tenseurs scalaires de calculer la perte d'énergie et de moment cinétique à l'infini et de dire ça va changer du coup les effets qu'on voit dans un pulsar binaire. Assez rapidement, j'indique comment on fait la théorie. Alors, quand vous avez des objets comme ça en théorie tenseurs scalaires, et ça a été indiqué la première fois par Hurdley en 1975, vous allez pouvoir faire toute la même théorie que j'ai indiquée avant en relativité générale, mais avec une modification profonde qui est la suivante. D'abord, conceptuellement, vous dites, j'utilise la méthode multicarte, et donc, au voisinage de chaque étoile à neutrons, je regarde, je fais le même raisonnement qu'avant. Mais sauf que tout de suite, ça change, parce que le même raisonnement qu'avant, ça voulait dire, au voisinage d'une étoile à neutrons, j'ai que la gravitation. Donc, j'ai un objet qui est à peu près rond là, donc la solution autour de lui, par le théorème de Birkhoff, ça doit être Schwarzschild. Mais maintenant, je suis dans une théorie tenseur scalaire. Donc, localement, mes équations ne sont plus les équations d'Einstein, elles sont couplées à un champ scalaire. Donc, maintenant, l'étape zéro, si vous voulez, de ce qui se passe dans chaque carte, c'est de dire, je dois savoir quelle est la structure d'une étoile à neutrons quand la gravitation est décrite non seulement par G menu, mais par un champ scalaire phi. Et ça va changer la structure d'une étoile à neutrons. Et quand vous faites ça, vous apercevez qu'il y a un paramètre nouveau qui apparaît, c'est que vu de la carte locale où j'ai mon étoile à neutrons, à quelques dizaines, disons, de rayons autour de ça, c'est-à-dire encore très loin du compagnon, je vais être influencé par la valeur du champ scalaire là.
puisque le champ ambiant, la VEV, la vacuum expectation value du champ scalaire phi au voisinage d'une étoile à neutrons, maintenant elle va être influencée par le compagnon et autre chose. Donc je dois laisser libre le fait que je ne connais pas à ce stade-là quelle est la valeur du phi vue localement par l'étoile A, qu'on peut appeler phi 0 A. Ici, l'indice est petit a au lieu de grand A, mais c'est la même chose. Donc, et quand vous faites ça, vous trouvez qu'il faut changer la théorie du raccordement, mais à la fin, vous pouvez toujours utiliser une version skeletonisée qui consiste à dire, j'ai une action qui contient R, qui contient gradient phi carré, mais l'action du couplage de la ligne d'univers qui représente le centre de masse du pulsar à G et au champ scalaire est modifiée parce que la masse qui intervient là-dedans doit tenir compte du fait que cette masse dépend du champ ambiant autour, phi. Et quand vous faites ça, cette simple variation, d'abord il faut que vous calculiez quelle est la dépendance. Donc pour ça, vous résolvez, ça c'est les équations d'Einstein avec le champ scalaire, et vous voyez, il y a deux équations couplées. Et la fonction A de phi intervient dans ces équations. Et puis, non seulement la fonction A de phi, mais la condition limite. Vous résolvez ces équations Tolman-Oppenheimer-Volkoff modifiées avec la condition limite que loin, la phi prend, tend vers phi 0, qui est une valeur arbitraire. Vous résolvez ça, on a fait ça avec Gilles, et ça vous dit que la masse que vous devez mettre dans l'action dépend de phi, comme ça, condition limite, par une certaine fonction non triviale. Okay? Et quand maintenant vous calculez les effets physiques, vous trouvez que ce qui remplace alpha 0, avant alpha 0, parce qu'il pouvait négliger les effets d'autogravitation, était une constante. Ici, les effets d'autogravitation font que le couplage effectif du champ scalaire à une étoile à neutrons n'est plus mesuré par alpha 0, le couplage dans le système solaire, mais par la dérivée logarithmique de la masse par rapport au champ ambiant local. Okay? Et cette fonction-là est une fonction non triviale de phi qui diffère de alpha 0. Le bêta aussi, 0 est modifié, c'est toujours les gradients de ça. Vous avez aussi des effets liés à la rotation du pulsar subtil, les effets de moment d'inertie, spin orbite, je passe. Et vous obtenez maintenant un Lagrangien, quand vous calculez le Lagrangien de Fokker, donc tout ce qui remplace la théorie qu'on avait faite avec Nathalie, et vous trouvez que le Lagrangien, par exemple, la constante de Newton G est remplacée par cette fonction-là, G nu, qui apparaît dans le Lagrangien, 1 plus alpha A alpha B. Mais ça, on le reconnaît immédiatement parce que c'est exactement le couplage, c'est le couplage de spin 0, mais sauf que au corps A et au corps B, le couplage du champ scalaire n'est plus alpha 0, celui du couplage dans le système solaire, mais une fonction non triviale qui dépend du caractère autogravitant de l'étoile à neutrons. Et puis, gamma, qui intervenait ici, qui était juste un nombre, devient maintenant une fonction des masses des deux étoiles à neutrons et est donnée. En fait, toutes ces formules-là sont les mêmes formules qu'avant, mais vous avez remplacé alpha 0 par alpha A selon le couplage. Et si vous pensez en termes de diagramme, vous voyez immédiatement où est-ce qu'il faut faire des modifications sans faire de calcul. Ça veut dire que la constante de couplage dépend de la masse, c'est ça? Ça veut dire que la constante de couplage maintenant de Newton, par exemple entre deux corps, dépend de l'autogravitation, c'est-à-dire de l'énergie gravitationnelle de chaque corps. Et comme justement une étoile à neutrons a une énergie gravitationnelle qui est 15% de sa masse, c'est-à-dire qui est énorme, alors que dans le système solaire, c'était 10-8 pour la Terre. Donc maintenant, les effets de champ fort deviennent importants. Les effets de champ fort disparaissaient en relativité générale, mais on voit que si on change la théorie, les effets de champ fort interne, c'est-à-dire cette renormalisation, devient non trivial, c'est-à-dire dépend de la structure interne des étoiles. Et donc, de ce point de vue-là, on teste des choses nouvelles. Et pour calculer le P point, c'est-à-dire cet effet retard, vous le calculez sous forme d'énergie gravitationnelle émise à l'infini. Et là, vous avez un effet énorme qui est que, je vous rappelle que dans le cas de la relativité générale, le P-point était donné par 192 pi sur 5, V sur C à la puissance 5, et puis cette fonction-là. Vous avez la même formule qu'avant avec des modifications cosmétiques, finalement, qui changent G par G à B, ça change de 15%. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous avez ici un terme en V sur C cube. C'est-à-dire, vous avez un terme qui est cette fois un million de fois plus grand que le terme prévu en relativité générale. Pourquoi ? Parce que, en relativité générale, l'interprétation simple, c'est qu'en relativité générale, la perte, le rayonnement gravitationnel commence à un rayonnement quadrupolaire, L égale à 2, parce que le spin du graviton vaut S égale à 2. Et vous ne pouvez pas émettre en dessous de spin. Mais dans un champ scalaire, qui a un spin 0, vous pouvez émettre n'importe quoi. Et le premier que vous émettez, c'est le dipôle.
S égale à 1, et ça donne un V sur C à la puissance 3. Et donc, vous avez un effet qui est beaucoup plus grand. Qui est, donc, ça, c'est une perte d'énergie. Elle est proportionnelle à quoi? Sous forme de rayonnement du champ scalaire, sous forme dipolaire. Et elle est proportionnelle à la différence de couplage. Il faut qu'il y ait un dipôle. Si les deux étoiles à neutrons étaient la même, c'est-à-dire une copie identique, il n'y aurait pas de dipôle, parce que pour un dipôle, il faut avoir une flèche allant de A à B ou de B vers A. Il faut décider un vecteur dipolaire. Si les deux sont identiques, il n'y a pas de vecteur. Et donc, vous savez a priori que le résultat doit dépendre d'une différence au carré. Quand vous faites le calcul, vous voyez que c'est simplement les coefficients de couplage au carré, mais il faut tenir compte des autres termes. Donc, ça fait des prédictions complètement différentes. Oui, dès qu'on rajoute le champ scalaire. Et du coup, avant, j'avais écrit quelles étaient les formules en relativité générale qui disaient, mais je peux continuer à utiliser la méthode d'ajustage de données, c'est-à-dire les données observationnelles n'ont pas changé. Quelle était la justification physique d'ajouter un champ scalaire ? Ici, elle est, d'abord, c'est la déformation la plus simple de la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire, vous savez... D'autres fondements à la théorie de la relativité générale. Oui, oui, mais vous savez qu'Einstein a introduit une théorie scalaire avant d'introduire la théorie Gémenu. Donc il y a tout de même, si vous voulez, une justification historique. Einstein, Nordström, etc. ont cherché la théorie la plus simple qui satisfasse le principe d'équivalence, et un champ scalaire y satisfait, et elle est de spin 0, pas de spin 2. Après, on s'est habitué que du spin 2. Là, mais de toute façon, ici, j'utilise, non pas parce que j'y crois personnellement, c'est pour faire contraste. C'est comme, vous savez, ça m'avait frappé une fois dans un musée, si vous regardez des couleurs légèrement différentes, si elles sont très séparées, vous ne voyez pas tellement la différence. Si vous les mettez côte à côte, vous voyez immédiatement le contraste des deux. Donc là, on contraste à la relativité générale quelque chose d'autre pour voir ce qu'on ne voyait pas en relativité générale. Les effets de champ fort sont effacés en relativité, donc on a l'impression de ne rien tester. On change la théorie, on voit qu'on teste quelque chose. C'est ça le but de cet exercice. Donc, on peut toujours partir des données expérimentales. On peut les fitter, pardon, les ajuster à la même formule de chronométrage universelle DD, qui contient ces paramètres post-keplériens K, gamma, etc. Parce que ça a marché, vous l'avez fait pour la relativité générale, donc c'est fait, c'est fitté par ça. Mais maintenant, vous prenez les données publiées par les observateurs et vous retracez les courbes, celles-là, mais vous les tracez dans cette nouvelle théorie de la gravitation. Et vous trouvez que, en fait, en général, elles ne s'intersectent pas du tout. Pourquoi ? Parce que toutes les formules ont changé. Vous voyez, avant, il n'y avait que ce terme-là. Ça, c'est l'avance du périas. C'était le facteur 3, bon, qui est toujours là devant. Mais ce facteur 3 est modifié par des tas de choses de l'ordre, qui peuvent être de l'ordre de l'unité. Chacun de ces trucs-là est modifié de l'ordre de l'unité, sauf le P point, qui, lui, est modifié par quelque chose de beaucoup plus grand, donc qui vous met des contraintes. Donc, finalement, ça vous met des contraintes sur la théorie. Alors, pour ça, pour pouvoir déduire ces contraintes, il faut d'abord, oui, qui vont être données là. Il faut savoir quels sont les paramètres de la théorie. Alors pour ça, avec Gilles, on a défini une classe de théorie à deux paramètres, qui est celle-là, qui consiste simplement à dire que la fonction de couplage A de phi, comme vous voyez, on pourrait prendre n'importe quelle fonction de couplage. Par exemple, on peut prendre un couplage dit conforme avec le paramètre xi r phi 2, couplage de phi carré au scalaire de courbure. Mais comme dans le système solaire, vous testez finalement la première et la deuxième dérivée, c'est-à-dire savoir si la courbe est comme ça ou comme ça, vous pouvez définir une théorie scalaire en disant je prends une fonction a de phi qui est quadratique en phi. Comme ça, j'ai mes deux paramètres, puis ça contient déjà deux paramètres. Si j'en mets d'autres, ça va être plus difficile d'en mesurer plus. Donc, on définit une théorie où il n'y a pas les dot, dot, dot ici. Vous prenez une théorie où A de phi est vraiment une parabole, une fonction quadratique qui contient donc deux paramètres, alpha 0 et bêta 0. Et maintenant, vous posez la question. J'ai un espace de théorie qui dépend de deux paramètres, alpha 0 et bêta 0. La relativité générale, c'est le cas où alpha 0 vaut 0. Quelles sont les limites données par les pulsars binaires? Eh bien, ces limites sont, ça c'est tiré d'un article récent de Paolo Frère, Michael Kramer, Gilles Esposito Farese et plusieurs autres auteurs. Les références sont dans ma Particle Data Group Review. L'axe vertical, c'est alpha 0. L'axe horizontal, c'est bêta 0. La relativité générale serait n'importe où sur cet axe-là, parce que alpha 0 égale à 0 veut dire qu'il n'y a pas de... Vous éliminez complètement le couplage, en principe, mais on va voir qu'il y a des instabilités. Cette ligne-là,
c'est la limite sur alpha 0 qui vient de l'expérience Cassini. Je vous rappelle que Cassini, c'est le meilleur test en champ faible de la relativité générale. Ça vous dit que le paramètre post-newtonien gamma moins 1, celui qui est nul en relativité générale, est plus petit que 2^-5. C'est un test au niveau 10^-5. Mais comme gamma moins 1 est une fonction seulement de alpha 0, ça vous donne une limite sur alpha 0 de l'ordre de un peu plus que 3^-3. Okay. Donc, vous devez être en dessous de ça. Donc, les tests du système solaire, c'est il faut être en dessous de ça. Quels sont les tests des pulsars binaires? Ici, il y a toute une série de pulsars binaires. Eh bien, les tests disent que vous devez être en dessous des courbes de couleur ici. Par exemple, ce pulsar binaire là, 11738, là, dit que vous devez être en dessous de la courbe bleue. Le pulsar historique 1913+16 dit que vous devez être en dessous de la courbe rouge, etc. Et si vous prenez l'intersection de tous ces domaines qui sont permis par les pulsars, vous avez en fait essentiellement ce qui est sous la courbe bleue. Et le point important, c'est que ici, dans cette région-là, il est vrai que les pulsars, tous les pulsars binaires sont moins contraignants que les pulsars, que les tests dans le système solaire, parce que le système solaire dit que vous devez être dessous. C'est-à-dire, la zone grisée, finalement, c'est l'intersection de ce que donnent les tests dans le système solaire et tous les pulsars binaires. Mais le point important, c'est que toute cette région ici, blanche-là et celle-là, c'est des régions qui sont permises dans le système solaire, mais qui sont interdites par les pulsars binaires. Donc ça vous montre bien que les effets non perturbatifs vous interdisent, par exemple, complètement cette région-là, c'est-à-dire interdisent que bêta 0 soit plus petit que moins 5, même si alpha 0 vaut 10^-100. C'est en fait quelque chose d'assez extraordinaire. Vous prenez un couplage dans le système solaire plus petit que 10^-100, c'est-à-dire jamais l'humanité ne verra aucune différence, et un pulsar binaire vous donne des effets de l'ordre de l'unité si bêta 0 est plus petit que moins 5. C'est ce que montre, parce qu'il y a des effets non perturbatifs liés aux effets de champ fort. Voilà, ça c'est le résultat qu'on avait obtenu avec Gilles avant. Maintenant, je vais conclure à la fois en donnant les listes des résultats expérimentaux, cette fois quantitatifs, des meilleurs pulsars binaires actuels, et conclure pour l'ensemble des conférences que j'ai données, enfin des cours que j'ai donnés. Donc, quels sont les résultats expérimentaux actuels sur les pulsars binaires, pour voir quelques chiffres, parce que les mathématiciens dans l'audience aiment bien voir des chiffres. Donc, parce qu'avant j'ai présenté des courbes, en disant les courbes s'intersectent, d'accord, mais ils s'intersectent à quoi? Ok, 10^-3, 10^-4, bon. Eh bien voilà, le pulsar binaire historique, celui découvert par Earls et Taylor, comme je vous disais, il ne donne qu'un test qui est P point. Alors, il faut retirer l'effet galactique. Il y a le P point observé. Vous retirez l'effet galactique. J'ai dit comment on le calcule. Enfin, j'ai indiqué. Vous utilisez deux mesures. Vous utilisez la mesure de l'avance du périastre, K, observé, et du gamma, qui n'est pas le même gamma que celui PPN, qui est le gamma qui intervenait dans la formule de chronométrage DD. Ça vous donnait... ces mesures de K et de gamma, vous les utilisez pour dire qu'ils s'intersectent en un point. Et du coup, vous calculez la prédiction de la relativité générale pour P point, ça vous donne les deux masses, et donc vous pouvez calculer le P point prévu par la relativité générale, P point BGR, General Relativity, et vous faites le rapport entre le P point observé, corrigé par les faits, et le P moins observé. Et vous devez avoir 1. Et vous avez 0,9997, c'est-à-dire vous avez 1 à 2^-3 près. Donc ça vous montre que vous avez testé les effets radiatifs et de champ fort à 2^-3 près. Dans le cas du pulsar qui était à droite, en haut à droite sur mon graphe, 1534+12, qui a été un deuxième pulsar historiquement important, Vous avez les mêmes deux paramètres précis. En fait, ce pulsar-là donne plusieurs tests, mais ici, je prends le meilleur, parce qu'il y avait des tests qui avaient des grosses barres d'erreur. Qualitativement, c'est intéressant, mais quantitativement, c'est moins bon. Le S observé, S voulait dire le sinus d'un angle, ou la shape, la forme du signal de Shapiro, mais c'est un paramètre que vous ajustez. Ce S observé divisé par le S calculé vaut 1 à 7^-3 près. Pour le cas... Alors, et puis les autres, ces deux tests-là, ça fait partie du pulsar qui était en bas à droite, c'est-à-dire le pulsar double. C'est le seul système où les deux objets sont des pulsars. Sauf que, en fait, un des deux est un bon pulsar qui tourne vite, qui est propre, qui a des pulses bien nettes, et l'autre est un pulsar sale, qui tourne lentement,
qu'on ne voit pas la plupart du temps, qui passe devant. Enfin, mais tout de même, on a pu mesurer un paramètre assez précisément à partir de ce deuxième pulsar, donc ça donne beaucoup plus de tests dans ce système-là. Deux des tests ici sont marqués. D'abord, le P-point, c'est-à-dire ce même test essentiel de l'existence de propagation de la gravitation à la vitesse de la lumière. Cette fois, vous voyez qu'il est valable à 1 10-3 près. Donc, c'est meilleur que ça. Et Michel Kramer, qui a découvert ce système avec ses collaborateurs, est confiant qu'il va pouvoir améliorer ça à 10-4 ou plus, parce que dans ce système-là, il n'y a pas besoin de faire la correction ici. Les seules corrections sont des corrections connues. Ce système est plus proche, etc. Donc, ce système est plus propre de ce point de vue-là. C'est-à-dire, si vous augmentez la précision des données, vous augmentez la précision du test aussi. Un autre test, c'est avec le S. Et vous voyez que cette fois, vous êtes descendu en dessous du niveau 10-3, vous êtes à 5 10-4. Donc là, vous avez ces tests-là. Et puis, j'ai donné aussi un autre exemple d'un des systèmes qui était 1738. C'était celui qui, en fait, donnait ces limites-là, les meilleures. C'est un système qui a une étoile à neutrons et une naine blanche. Donc, il est différent. Il est a priori moins relativiste, mais c'est un très bon test. Ces grandes limites-là sont liées à tester l'inexistence de rayonnement dipolaire. J'ai dit que dans une théorie avec un champ scalaire, vous avez un rayonnement V sur C cube qui, d'origine dipolaire qui est lié au spin 0. Et donc ce système-là est particulièrement sensible à ça. Et c'est montré ici en sens que la différence, cette fois ce n'est pas le rapport, la différence entre le P-point observé, il faut tenir compte d'effets galactiques, mais là on peut les calculer bien. Et de la relativité générale est au niveau de 10-15. Donc ça vous dit, vous avez, entre quantités observées, un accord à 10-15 près. Je n'ai pas eu le temps de parler, mais je dis rapidement qu'il y a d'autres tests qu'on avait proposés en fait avec Gerhard Schaefer, de la gravitation, des effets de champ fort, qui sont liés à l'effet Stark, comme je l'ai dit une fois rapidement, ce qui est une certaine version de l'effet Nordweb, qui consiste à dire que vous avez la galaxie, et puis si vous avez un pulsar binaire avec deux corps, le fait que ces corps soient fortement autogravitants peuvent modifier le principe d'équivalence fort, c'est-à-dire, on le voit ça dans les théories avec champ scalaire, que du coup, l'attraction entre la galaxie qui est une masse grand C avec ce corps-là est liée à une constante modifié de Newton GAC, parce que vous vous rappelez que la constante de Newton, à cause de l'échange du champ scalaire entre les deux, c'est à cause de ça, où il y avait ici un couplage alpha A et alpha C, disons, pour cet objet-là, les deux objets, qui sont les objets A et B, peuvent tomber avec une accélération différente dans la galaxie, a priori. Et donc, vous pouvez vous poser la question, si j'ai un système binaire, comme ça, qui tourne l'un autour de l'autre, où est l'autre ? Là. S'il tombe avec une accélération différente de la galaxie, il va y avoir une force à l'intérieur du système. Une des deux est attirée plus. Mais la différence, dans le système solaire, ce test a été fait d'abord avec des champs, des effets d'autogravitation plus faibles. Ici, il y a 15% de la masse qui est sous forme d'autogravitation, donc vous testez un nouveau régime. Et puis aussi, c'est assez différent parce que dans le système solaire, l'effet de la Terre, de la Lune et du Soleil, en un an, ça tournait autour du Soleil. Tandis que là, il faut 250 millions d'années pour que ça tourne. Et donc, pendant quelques années d'observation, en fait, la direction, la force avec laquelle le Soleil tire différemment sur les deux objets, ne change pas de direction. Et du coup, c'est vraiment un effet Stark. C'est-à-dire, l'effet Stark, je vous rappelle, vous avez un proton, vous avez un électron, et puis vous mettez un champ électrique qui donne une force différentielle sur les deux, mais dans une direction constante. Et il se trouve, je vous rappelle, si vous n'avez jamais étudié ça, c'est que si vous calculez la théorie classique, ou quantique d'ailleurs, de l'effet Stark à l'approximation newtonienne, c'est-à-dire si vous avez une loi en 1 sur R, dans une loi en 1 sur R, vous avez des trajectoires stables, circulaire, elliptique. Vous rajoutez un champ électrique, et donc vous rajoutez une force comme ça, différentielle, dans une direction constante. Eh bien, le système devient instable. C'est-à-dire, le système, même si au départ vous étiez circulaire, si par exemple la force est dans le plan, vous allez cogner sur l'autre. Le système devient vraiment instable. La loi en 1 sur R est très instable à cause du problème de dégénérescence. C'est-à-dire, le fait que... Vous savez qu'on puisse résoudre le problème de Coulomb dans plusieurs variables, qui est au sens de Delaunay, les niveaux, le fait que les niveaux quantiques
sont au même niveau pour différents L, okay, est un cas particulier et c'est lié à cette instabilité-là. Et du coup, c'est un test assez sensible. En relativité générale, la dégénérescence est levée, mais elle est levée par un facteur petit, V2 sur C2. Et du coup, ces pulsars-là sont des tests sensibles du fait que tous les corps tombent de la même façon, y compris des corps fortement autogravitants. Et il y a plusieurs systèmes sur lesquels on a pu faire ce test. Maintenant, c'est devenu une industrie et tout marche. C'est-à-dire, le résultat, c'est qu'effectivement, cet effet-là, on ne le voit pas. Dernière chose, j'en ai déjà parlé, c'est l'effet de couplage spin-orbite. Justement, c'était le dessin ici. Sur plusieurs pulsars, on a pu voir que la forme du pulse change au cours du temps. Et sur certains, on a pu interpréter ces changements. Alors là, c'est des tests un peu moins clean, un peu moins propres. En ce sens qu'il faut faire une modélisation du pulse du pulsar et de la géométrie. Par exemple, dire le cône d'émission est un cône creux, et dans ce cas-là, on interprète les données. Mais en fait, Mais modulo cette modélisation de l'émission des pulsars, on a pu voir les effets de spin-orbite qu'on avait prédit avec Raymond Ruffini en décembre 1974, article publié grâce à André Lichnerowitz. C'est le premier article historique publié sur, c'est le premier article publié sur les pulsars binaires parce qu'on l'avait envoyé à Lichnerowitz, qui l'a envoyé au compte-rendu de l'Académie des sciences. Donc ça a été publié en décembre 1974. Alors que tous les articles sur les pulsars binaires ont été publiés en 1975 parce qu'ils avaient des comités à référer qui ont mis des mois pour regarder les articles. Donc, mais dans cet article, en tout cas, on disait on pourrait voir un jour ces effets de couplage spin-orbite et on pourrait voir les pulsars disparaître. Et effectivement, on voit actuellement des pulsars disparaître, des pulsars apparaître. Bien, dernier truc, c'est le dernier transparent. Conclusion générale de l'ensemble des cours que j'ai donnés. Tous les tests expérimentaux actuels sont compatibles avec les prédictions de la théorie de la relativité générale. Donc, premier fait massif dans tout ce que j'ai donné, et je n'ai pas sélectionné uniquement ce qui marche. Je veux dire, on ne connaît pas de système propre dont on comprend bien la dynamique qui soit en désaccord avec la relativité générale. Un des premiers tests dont j'ai parlé, c'est l'universalité du couplage de la gravitation à la matière, c'est-à-dire le principe d'équivalence sous forme faible. Il est vérifié au niveau 10-13. Il y a même des tests d'isotropie de l'espace au niveau 10-22, je vous rappelle. Donc, toute cette partie-là est vraie à très haute précision. Dans le système solaire, on teste les prédictions d'Einstein en champ faible et aussi dans un champ quasi stationnaire. C'est-à-dire les effets de propagation sont totalement négligeables et donc gravitationnels dans le système solaire. Mais en revanche, on a une précision en général de 10-4 pour tous les paramètres et de 2-10-5 pour le paramètre gamma-1. En revanche, dans les pulsars binaires, les propriétés de propagation de la gravitation ainsi que plusieurs des aspects de champ fort ont été vérifiés et au niveau 10-3 ou mieux. Et on a vu, il y a 11 tests différents dans plusieurs pulsars binaires, donc tout ça est absolument confirmé. Et quand on fait le contraste avec d'autres théories, on voit qu'on teste vraiment les effets de champ fort. Je n'ai pas parlé du fait qu'il y a des expériences de laboratoire qui ont testé si la loi en 1 sur R carré est vraie aussi au niveau sous, sous millimétrique, mais même de l'ordre de quelques microns. Et en fait, on n'a pas de déviation de la loi Newton. Donc s'il y avait des dilatons avec une certaine masse qui changeraient les choses, on pourrait peut-être voir des déviations. On n'en a pas vu. Du côté, en revanche, sur des échelles plus grandes, toutes les échelles dont je parle, c'est à l'intérieur d'un pulsar binaire, à l'intérieur du système solaire, des échelles petites au niveau de l'univers, mais sur des échelles plus grandes, comme l'échelle d'une galaxie, d'un amas de galaxies et de la cosmologie, à condition de supposer l'existence de matière noire et d'une constante cosmologique, il y a aussi des tests qui confirment, avec un niveau de précision moins bien, mais de l'ordre de 10%, que la relativité générale est bonne, même si certains esprits chagrin qui ont une vision, disent peut-être que la matière noire veut dire que la théorie n'est pas valable et donc est la constante cosmologique, l'énergie noire, et il faudrait peut-être changer la théorie dans l'infrarouge, comme on dit sur les grandes distances. Mais en fait, les gens ont beaucoup de difficultés parce que s'il y a des modèles qui changent, qui essayent d'évacuer la matière noire qui est au niveau des galaxies en changeant la théorie, mais ça ne marche pas pour des déflexions de lumière au niveau des amas de galaxies. Donc la relativité générale, modulo ces hypothèses, mais qu'on laisse ouverte comme ça, comme hypothèse, est une théorie qui est très bien vérifiée par l'expérience. Voilà. Merci de votre attention. Il y a une distinction entre relativité générale et équation d'Einstein. Ah oui, pour moi c'est la même chose. Ben, c'est peut-être pas la même chose.
veux dire les écrans. Vous voulez dire dans le vide. Pas quoi mettre, de toute façon. Vous parlez du membre de droite. Ben voilà. Oui. Alors quand on. Non mais une partie. Non mais justement, oui, pour la cosmologie, c'est de plus en plus difficile, effectivement, parce que là, il y a le membre de droite qui joue un rôle plus important. Dans les tests que j'ai présentés, le membre de droite joue un rôle très faible, c'est-à-dire, quand c'est une étoile à neutrons, il y a des effets dont il faut tenir compte, mais l'essentiel de tout ça, c'était dans le vide. Donc, on a vérifié les vertex cubiques, quartiques, je veux dire, la théorie, l'aspect non linéaire du développement d'Einstein autour de Minkowski est aussi vérifié là, et c'est les équations d'Einstein dans le vide, Ricci égale à zéro, là. Ok. Autre question ? C'est pas vrai. Enfin bon, c'est cette fois, c'est les équations de la relativité générale. Vous avez là la personne qui a prouvé la première fois l'existence mathématique et le well-posedness, le caractère bien posé des équations d'Einstein. Vous avez aussi la personne, la seule d'entre nous, qui a parlé à Einstein lui-même pour, à Princeton pour lui expliquer l'intérêt de ce qu'elle avait fait. Très bien. Autre question ? Yvonne Choquet-Bruyant. Parler des ondes gravitationnelles dans votre résumé, Mais si, justement, le fait, donc je répète, le fait que dans les pulsars binaires, l'effet de propagateur retardé qui est de spin 2 intervient de façon cruciale dans le calcul du p-point. Donc l'accord entre la théorie qui donne le p-point calculé avec Nathalie, et les observations de Hulse et Taylor, et des nouvelles observations, montrent que la gravitation est de spin 2 et se propage à la vitesse de lumière. Et c'est ça ce qu'on appelle onde gravitationnelle. Alors effectivement, on n'a pas vu des ondes gravitationnelles arriver sur Terre, mais on sait qu'elles jouent... Mais on espère les voir... On espère les voir dans 2 ou 3 ans, oui. Est-ce que ça va ajouter de nouveaux tests? Oui, alors en principe, on peut utiliser les données des ondes gravitationnelles pour avoir des nouveaux tests, y compris de la non-linéarité. Certains de ces tests seront difficiles à faire et ne vont pas être de haute précision. On a aussi montré, avec Gilles Esposito-Farès, dans le cadre des théories tensions scalaires, qu'en fait, les pulsars binaires, qui vont aussi s'améliorer dans l'intervalle, sont toujours des tests plus précis que ce que les ondes gravitationnelles vont faire. En revanche, les ondes gravitationnelles, au niveau qualitatif, vont être très important. Par exemple, la première preuve que les trous noirs existent vraiment dans notre univers sera obtenue quand on aura observé la coalescence de 2 trous noirs et l'émission des ringing modes, des modes quasi-normaux d'oscillation du trou noir formé par la fusion de 2 trous noirs qui donnent un signal gravitationnel dont la fréquence est calculée théoriquement. Et ça, on devrait voir ça dans 2 ou 3 ans grâce au détecteur LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe. Et donc là, on verra des choses liées encore mieux aux équations d'Einstein. Oui ? Moi, j'ai une question sur des théories scalaires tenseurs. Oui. Qui peut montrer les limites qui viennent de ce système particulier d'une étoile à neutrons et d'une naine blanche. Oui. Et ça, je comprends ça parce que tu as toujours alpha, moins alpha B qui apparaît dans... Oui, et que alpha B est très différent pour une naine blanche, que je n'ai pas dit. J'imagine que c'est ça la raison. La raison, c'est qu'effectivement, tous les effets... plutôt faible dans une étoile à neutrons blanche, plutôt oui. Une étoile à neutrons. Oui, il y a toujours ce facteur-là. Et pour une étoile à neutrons très dense, alpha A peut devenir de l'ordre de l'unité, alors que celui-là, il reste très proche de alpha 0. Est-ce que cet alpha A et alpha B, au début, tu as dit que c'était des fonctions du champ scalaire. Oui. Et après ça, dans ta théorie à 2 paramètres, ça devient donc des fonctions d'alpha 0 et d'alpha 0. Donc ça veut dire que alpha A, c'est cette fonction calculée pour phi, le champ phi, où ? Alors, tu fais dans les multicartes, au voisinage de ça, le phi ici, c'est, si j'étais simple, ça serait simplement le phi à l'infini plus, c'est moins si je m'appelle, GMB sur RAB, c'est-à-dire une modification avec alpha B ici, c'est-à-dire... Le couplage du champ scalaire à cette étoile crée un champ phi qui est un champ ambiant. Donc, vu de cette étoile à neutrons, je dois modifier le phi là-bas par ça. Et tu fais ça réciproquement. Et c'est ça qui est mis dans le formalisme. Mais à chaque fois, c'est cohérent. Je veux dire, la solution est unique. Je ne suis pas en train de faire... Ce n'est pas une approximation, hein, c'est une action. Et tout est calculé. Le calcul, après, dit quel est le phi qui est intervenu dans le calcul. Et si c'était des trous noirs, comment allait-il ? Ah, les trous noirs ne se couplent pas à un champ scalaire. Si j'ai 2 trous noirs, oui, il n'y a plus de test. 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, je peux avoir n'importe quelle théorie tenseur scalaire.
Il tourne comme en relativité générale, parce que rien ne se couple au champ scalaire. Ça veut dire que si tu avais un trou noir et une étoile à neutrons, A étant une étoile à neutrons et B un trou noir, lequel des deux est nul ? Dans ce cas-là, tu aurais alpha A moins alpha 0, si ça est l'étoile à neutrons, le pulsar que tu vois. Ou 0, je ne sais plus, il faut regarder, mais ils sont de nouveau très différents. En fait, les expérimentateurs ils attendent de trouver un système double pulsar et trou noir, même si certains des tests sont en fait plus intéressants avec des étoiles. Mais ce système-là est quantitativement meilleur, mais même pour le pulsar binaire, notre pulsar binaire que l'on aime bien, le fait que les masses soient 1.44 et 1.35 veut dire que alpha A et alpha B sont différents. Et donc, il y a une différence. Au carré, ça diminue l'effet, mais l'effet reste tout de même important. Les courbes qui s'intersectaient chez Einstein ne s'intersectent plus, déjà. Mais les limites sont quantitativement moins bonnes, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres pulsars. Maintenant, on a trouvé des étoiles à neutrons de masse 2, masse solaire et d'autres. Donc, il y a des différences aussi, même sans avoir de naine blanche, okay, comme compagnon. Autre question ? Et ça, l'électromagnétique, il ne joue pas de rôle là-dedans. Alors, il faut... pour une étoile à neutrons, par exemple, elle est fortement magnétisée. Donc, a priori, il faut s'inquiéter si vous avez 10 puissance 12 Gauss localement. Qu'est-ce que ça fait sur l'autre étoile magnétisée? Mais quand vous faites les calculs, c'est zéro. C'est epsilonesque par rapport à tous les effets dont on parle. Et même les effets de déformation de structures quadrupolaires à part le champ magnétique, les gens doivent pousser à 10 puissance 14, 16 Gauss pour avoir des effets qui commencent à être observables. Donc, en première approximation, on peut oublier le champ électromagnétique, même si c'est lui qui émet les ondes électromagnétiques. Donc, il ne faut pas l'oublier complètement, puisque... On tient compte de tout, mais la physique, c'est des approximations aussi. On n'a pas résolu avec Nathalie, avec le champ électromagnétique couplé à deux dipôles, parce qu'on savait que ce n'était pas la peine. Voilà. Pas d'autres questions. Merci d'être venu pendant ces semaines.